Oh, Nec qui contrôle en bas! Nec qui contrôle en haut! Et c'est la victoire! Plus Marcotte qui le fait! C'est un monstre à full carry. Top 1 pour Marcotte et Hunter avec 6 kills. Plouki, le joueur Exalti, qui devrait se diriger vers le top 1 avec une magnifique économisation. Monstre! Suite à cette game 3, Alpha et Blaster, qui avaient déjà beaucoup d'avance, restent à la première place. Je vous rappelle qu'il y a 25 000 $ pour les deux gagnants. C'est énorme. Allez, mesdames et messieurs, on est de retour pour la deuxième et dernière partie justement de cette Dwag Cup. J'espère que vous allez toujours très très bien. On va démarrer la game 4 d'ici 4-5 minutes, le temps de faire le tour un petit peu sur tout ce qui s'est passé. J'espère que ceux qui devaient aller se nourrir ont eu le temps de le faire dans de très bonnes conditions. On va du coup se concentrer maintenant sur la game 4, la game 5 et la game 6 et donc savoir qui sera le duo gagnant de cette Dwag Cup spéciale en duo. Et puis ça marquera normalement la fin de cette saison en duo qui a été quand même pleine de surprise, pleine de rebondissements et je pense très enrichissante pour les joueurs. Hâte de voir ce qui va se passer pour la suite, même si vous le savez, pour l'instant, la suite à court terme, c'est les FNCS solo. On sera, nous, positionnés dessus dès samedi et dimanche pour vous la faire vivre dans de très bonnes conditions, avec justement un dispositif qui a été réfléchi pour l'occasion. Et du coup, là, ce sera que la première semaine. On va ensuite enchaîner avec, du coup, les autres semaines, parce que de semaine en semaine, plusieurs joueurs vont se faire éliminer pour arriver jusqu'à un seul lobby sur ces FNCS en solo. Et donc, un seul lobby qui permettra ensuite de nous faire encore plus vibrer en solo cette fois-ci. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est ça qu'on se demande tous. Qu'est-ce qui va se passer une fois que les FNCS solo seront justement passés? Petite aussi information, il y a une soirée Bullfight demain si ça vous intéresse, le Bullfight Warrior, voilà, pour vivre un peu Fortnite différemment. 8 clans invités, 8 joueurs qui représenteront chacun leur clan et on verra quel clan prendra la main, la tête. Ce sera peut-être qu'une première édition parmi une série de plusieurs éditions, mais on fait un test demain, voir un peu si la communauté Bullfight est toujours active, toujours au rendez-vous. Et du coup, comme je vous l'ai dit, samedi 9 et 10 mai, FNCS en solo. Beaucoup de joueurs vont se mettre en place. Je crois qu'ils seront 600 lors de la première semaine et ensuite ça va descendre de fil en aiguille. Il y aura même des rattrapages pour ceux qui n'arriveront pas à exprimer leur jeu dès les premières semaines. Et derrière, on aura la grande finale en solo qui risquerait d'être folle. Moi, je pense que le mode solo va me faire pas mal triper. Donc, je vais être avec vous pour vivre ça. Prenez aussi le rendez-vous. C'est pour un petit peu l'actualité rapide. Sinon, on est toujours dans les tendances. Hein. On survit, on existe, on se défend face à Harry Potter. Hein. Voilà, Harry Potter, on sait très bien. Gros succès pour l'instant cette soirée. Et du coup, toute cette Dwag Cup, hein, les qualifications ont bien marché, la finale marche encore mieux et donc je suis très très content de m'être autant investi sur ça et que vous me le rendiez à ce point là. Donc on attend quelques minutes que tous les joueurs soient de retour tranquillement et puis on va lancer la game numéro 4. On peut refaire rapidement un point sur le format que vous connaissez maintenant, donc il marque des points en fonction du top et des kills. Donc voilà, il y a 6 games bien évidemment, pour l'instant on a fait que la moitié, donc vous savez qu'il y a une première moitié où ils observent, ça prend des infos, ça prend aussi des infos sur soi-même, sur sa duo, et derrière game 4, game 5, game 6, tu réfléchis beaucoup moins. Enfin, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est bon, t'as tout ce qu'il te faut, donc maintenant tu fais valoir ton jeu et là il y a des équipes qui vont peut-être même s'écrouler, hein, avec la pause, le fait que ça refroidit un peu, etc. Et t'as au contraire des équipes qui vont bien remonter parce qu'elles auront bien échangé durant la pause, elles ont leur staff aussi qui a pu intervenir et peut-être leur apporter des choses qui vont leur être utiles. Et vous allez voir peut-être des duos qui n'ont pas beaucoup marché en début qui vont marcher maintenant et vice versa. Donc ça va être aussi intéressant, hein. C'est vraiment deux sessions différentes. En faisant un point classement aussi, hein, tranquillement, histoire que tout le monde se remette un peu dans le bain. Pour l'instant, c'est les Trainards, mesdames et messieurs. Pour l'instant, c'est les Trainards qui ont la cup entre les mains, même si pour l'instant, c'est pas définitif. Il reste la moitié des games encore à faire. 31 points, un bon place average. Hein. Je vous rappelle qu'en cas d'égalité, c'est ça qui fait la différence. Alors, le problème, c'est que quand il y a égalité en points et en place average, c'est les kills qui font la différence. D'où le fait que Alpha et Blaster sont devant Snazy et Witzy parce qu'ils ont exactement la même average de points, mais de placement, mais par contre, ils n'ont pas le même nombre de points. Mais du coup, imaginons, ils avaient 31 points les deux, 13 de positionnement moyenne. C'est les kills qui
aurait fait justement la différence. Donc attention, il faut garder quand même ces informations en tête. Je vous laisse observer, mais il y a deux équipes à égalité à 25 points. Attention aussi, des équipes à 23 points qui sont très très nombreuses. Donc on a vraiment un haut de classement très animé. Je pense que ouais, le top 10 peut clairement gagner la Dog Cup. Là, ils peuvent vraiment aucun stress à avoir. Ils sont clairement dedans. Maintenant, même avec 19 points, t'es encore dedans. C'est très compliqué. On avait dit tout à l'heure le top 15. À partir d'en dessous de 15 points, ça devient un peu plus difficile, pour être honnête. Mais parce que c'est la moitié hein, de ce qu'ont quasiment les premiers. Mais en vrai, il suffit que tu lâches un bon top 1 et vous voyez ce que je veux dire, tu remontes direct quoi. Donc ça va être la régularité encore une fois qui fera la différence. C'est pour ça que c'est bien Fortnite, parce que si tu juges sur une game, tu peux pas vraiment tout voir, tout savoir. Quand tu juges sur 6 games, ça commence à être quelque chose. Et puis en fait, plus il y a de games, plus c'est légitime quoi. Maintenant le problème c'est que tu vas pas faire 15 games non plus et on y est jusqu'à 15h demain en mode bon alors celui qui aura résisté. Donc c'est ça le truc hein. Plus tu rajoutes des games, plus c'est legit, parce que c'est dur d'être régulier. Je vous fais pas plus attendre hein, on a déjà tout en tête. On retourne directement in game mesdames et messieurs avec cette game numéro 4 qui s'élance à l'instant. On reste sur la même dynamique. Hashtag DuckUp si vous voulez réagir en direct et m'aider. Pareil sur le chat hein, vous êtes mes co-casters, vous le savez. Et ça y est, ils sont en place, ils sont tous de retour. J'espère que tout le monde est resté très concentré. On va vivre nos derniers instants de cette magnifique compétition. Mais toute bonne chose à tue de fin. Toute bonne chose à tue de fin. Et peut-être on aura le droit aussi à une nouvelle édition plus tard sous un autre format. On verra. En tout cas, on se concentre déjà sur cette game numéro 4 de la Dwight Cup. On va aller voir justement ceux qui sont premiers au classement, hein, voir un peu comment ça se passe chez eux, leur spawn, le retour de la pause. Donc les Trainards, je vais aller chercher de ouf les Trainards, ça m'intéresse. Vu que c'est eux actuellement, comme je vous l'ai dit, qui ont pris la main. Blaster, où est-ce qu'ils se cachent? Ah, j'avais une chance sur deux, hein. Je suis parti vers le haut, ça aurait pu être vers le bas. GG, c'était vers le bas. Excusez-moi, je veux absolument aller sur eux, voir vraiment comment ils vivent cette deuxième partie. Hop, ils étaient là, juste, j'étais pas loin. On les écoute, Blaster, Alpha, et j'ai un double écran. Qui pour l'instant sont devant. Ah, bon, y'a personne. Même Trokov, y'a personne. Hein. Ah si, Trokov, y'a un mec. C'est un pad ou pas ce qu'il ping là? Je crois pas. Hein. C'est vrai qu'on voit un truc violet, c'est mais... Et les pads, hein, toujours aussi important. C'est l'un des moyens de rotation qui existe encore et qui permet justement des repositionnements stratégiques dans des games stack en late game. Donc oui, le pad est une priorité hein, actuellement. D'où... Ouais. Non, c'est du C4, ouais, c'est un vieux. C'est vrai qu'ils ont la même couleur, mais ils ont pas la même utilité maintenant, hein, clairement. Voilà, tout va bien pour Alpha et Blaster pour le moment. On va laisser tranquillement rentrer dans leur partie. Je vois justement que là, il y a un petit peu d'animosité au niveau de Risky. Risky qui a changé, je crois. Hein. Moi, en tout cas, quand je m'étais reconnecté à Fortnite, j'ai vu justement que Risky Reels avait été redevenu une zone inconnue. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont mis un nouveau panneau et qu'il se passe des events? J'ai pas trop compris ce qui s'était passé, pour être très honnête. Je sais pas si c'était un événement communautaire ou quoi, mais voilà, ce qui paraît, ça a un peu bougé. On va les laisser tranquilles, on va retourner voir un peu la grotte parce que c'est vrai qu'il y a un vrai fight hein, maintenant entre deux duos parce que Nico Fairwax ont totalement lâché la grotte depuis la game 2 et je pense qu'ils ont eu totalement raison vu l'animosité qu'il y a. Donc on va du côté de la grotte avec Léo Keyboard qui avait pris le dessus sur Noward justement. Juste avant la pause. Est-ce que ça reste dans ces mêmes conditions? Est-ce que finalement Noward et X-Wiz ont bien réfléchi pendant la pause? On va le savoir. Ni. En tout cas, ça se fight. En tout cas, ça se fight. Viens, on ouvre. Oh, au pire, on peut se barrer. Viens. Attends, j'ouvre le coffre. Coffre advantage dépêche, pour dépêche, Léo. Dépêche. C'est la prio, ils ont pas encore tué le boss hein. Pour l'instant ça c'est secondaire. Faut hold hein. Non mais sors pas hein. Non mais t'inquiète, je fais. Ok. Vous allez voir, hein. Plus on va arriver vers la fin de la compétition, plus les esprits vont s'échauffer. Hein. L'enjeu est présent. Bon. 25 000 $ pour les deux gagnants ce soir. On récompense que celui qui sera sur la première marche du podium. Et encore des pads. Oh là là, il régale ce coffre à chaque fois à la grotte. Hein. Je peux comprendre hein, qu'il soit une zone aussi contestée. Oh là là, niveau potion. Tiens. Bah là, bien sûr qu'ils assument le fight. Bien sûr que t'assumes le fight avec autant de recharge. Allez, on va aller justement sur un fight. À l'instant, je vous transfère du côté des dual media parce que là, ça se combat directement. Et ça a été gagné justement par les dual media à l'instant. Start et Snipe qui prennent l'avantage et qui gagnent ce duel. Ouais, si, ça va les mettre dans de bonnes conditions pour la suite. Ça leur fait 2 points supplémentaires déjà dans le compteur. Et ça continue. Hein. Les animosités, on passe directement d'une zone à l'autre avec ici justement un affrontement. C'est Braizou. Braizou sur Orc, bien soutenu par le copain. Un Orc qui avait l'air d'être seul, isolé, sans son mate. Peut-être. En tout cas, 2 kills récupérés. Le mate était déjà au sol. Je vois 1 kill validé sur Vox, 1 kill validé sur Braizou. Ils viennent de gagner. Kirill qu'on avait vu tout à l'heure a commencé à s'animer un petit peu. Je vous l'ai dit. En vrai, tu peux peut-être upgrade, hein, je pense. Game 4, ça va commencer à jouer un peu plus assumé. Stats, allez, regardez cette image intéressante. Hein, pendant que Nain qui est en train de taper sa meilleure nage, il y a Nikov qui est lui en train de farmer. Mais Nikov qui s'y attend pas du tout, qui va risquer de se faire surprendre. On se met dans la peau de Nikov qui est en train d'être chassé. Vous avez eu le plan large, vous avez l'information. Et regardez le réflexe là de Nikov très rapidement après avoir pris une balle dans le dos ou deux. Le problème, c'est que Airwax est pour l'instant à une certaine distance. Il faut appeler le copain Airwax. Loin.
Et faut temporiser pour Nikov. Ouais, c'est du 1v1 là, hein. Je sais pas ce qui se passe, mais voilà, Airwax arrive par derrière, vous voyez ici. Finalement, advantage côté Airwax Nikov, vu la situation, Draclure qui est totalement seul. Et pourtant, qui a vraiment essayé d'appuyer sur un Nikov surentraîné. Très actif en ce moment, mais voilà, tant mieux pour Nikov qui récupère ce petit point supplémentaire. Il est mort direct. Alors qu'il y a des dons de sub hein, sur le chat, hein, ça fait plaisir, je pense à la communauté qui se régale. Mais merci beaucoup, je vois justement le don de sub, merci énormément, j'avoue que les subs, je les mets un peu de côté. Priorité justement à ce qui se passe en live, à l'événement, aux joueurs. Mais ça me fait très plaisir de voir que vous soutenez, que vous voulez aussi justement le montrer, le prouver de cette manière-là. Donc bravo pour les subs, vous pouvez vous remercier sur le chat à ma place pour le moment. Ceux qui sub et ceux qui offrent des subs, ils le méritent clairement. Parce que pour l'instant, vous voyez qu'encore une fois de l'action, hein, on passe d'une action à l'autre, beaucoup trop de choses à gérer en même temps. J'ai dû faire des sacrifices, on a mis le côté monétaire de côté, mais c'est parce qu'on a plus important à vivre ensemble pour le moment. Nauka et Deciptos qui eux sont en train de se repousser tranquillement, mais c'est l'équipe 47 avec Viper et Laxus qui se fight à Graggy comme pour l'instant à chaque fois. Hein. C'est un 2v2 qu'on a eu l'habitude de voir. Je crois que c'est attaque en face si je me rappelle bien. Chose. Alors je me rappelle plus il y a combien entre les deux duos, mais à chaque fois ils sont obligés de se la mettre. Forcément la ville est trop petite pour deux duos. Je mets les murs en HP. Ça va pas être... Attaque Exoxo en défense avec Viper hauteur. C'est il est seul hein. Laxus qui a une très bonne pause, hein, vraiment. Ouais, c'est là, hein. La zone elle est loin. À gauche, à droite. Y'a vu ? C'est un 6, c'est un 6, c'est un 6. Alors qu'en même temps, de l'autre côté, regardez. De l'autre côté, il y a un deuxième fight qui s'engage. Là, ils sont deux sur lui. En train de l'encercler. Les constructions sont magnifiquement gérées. Mais je vois pas comment il pourra s'en sortir, justement, vu qu'ils sont tous les deux organisés bien à fond. Et voilà, ils l'ont tombé. Proprement, l'équipe numéro 39 qui récupéreront ce point supplémentaire. On revient justement à Craggy avec Zoxo et Attaque qui subissent hein, pour l'instant un Viper et un Laxus très patient. La zone pourtant est pas pour eux. Viens vers là, viens et genre pas du tout pour eux. Mais je sais que la première, donc pas d'inquiétude. Ils veulent rester là à vie, j'ai l'impression. Bien, on va le ligne, ok. Attention à pas perdre patience. Attention à pas perdre patience. Vous voyez que ça s'échauffe un peu, ils vont rester là à vie, ce genre de petite remarque, oui, forcément. Je commence à casser. Tu sens que la stratégie d'attaque Exo est en train de marcher, même si après il y aura l'affrontement en frontal. Faut pas craquer, faut pas se précipiter, faut rester organisé. Bien communauté Exo qui passe à l'attaque. Moins 60 sur moi. Il a été repoussé tout de suite. Vous avez vu un Viper qui a pris très cher. Moins 60, je l'ai mis. Ok, nice. J'ai plus de bâtiment. Étrange la zone, faut vite les tuer. Et ouais, la zone qui arrive, ça va rajouter du stress. Effectivement, il l'a totalement bien analysé. Et là, il passe à la chauffe, peut-être un petit peu rapidement, Laxus. Mais belle défense avec la remontée. J'ai mis 20. Viper qui paye tout dans le fight, là, c'est problématique. Laxus qui est un petit peu seul. Vous avez vu que ça peut vite se désordonner, que ça a pris cher. C'est bien ce qu'il fait à Laxus. C'est bien, il temporise bien, il prend pas des trop gros vides. Par contre, Viper est rentré dedans. Il s'est isolé. Il a mis la zone, je pense. Effectivement, la zone qui a peut-être faire de gros dégâts. Attaque, non, il a récupéré l'HP. Il a récupéré l'HP sur l'action Viper qui s'est un peu jeté. Mais ça, c'est parce qu'en fait, il était pas dans le fight. Du coup, et ça marche, hein, Xojo et Attaque, ils sont en train de faire marcher leur stratégie. On passe sur eux, voir comment eux réagissent par rapport à tout ça. Comment l'autre, je peux les shit. Alors que vous voyez que Viper reste focus pour donner l'info à son coéquipier. Il y a beaucoup d'actions en même temps, mesdames et messieurs. Beaucoup d'actions en même temps. Parce qu'à côté, il y a les APJ qui sont face au duel média. Mais c'est vrai que Laxus il peut clutch. Laxus il peut clairement clutch. Et ça y va de coordonner. Vous avez vu que là c'est organisé. Xojo qui passe devant. Les balles de pompe, attention que je ne dois pas faire de bêtises, mais voilà l'arrivée d'attaque par derrière, trop facile. Alors que... comme ça, regarde maintenant, on est mort de la zone, j'ai déjà... Bah effectivement, un peu tard. Revenons à une autre action là, parce qu'il se passe beaucoup de choses sur la map en même temps, forcément, je vous l'avais dit, il va y avoir beaucoup d'actions, pas sur les duels médias avec Snipe et Start. Eux aussi, en plein bullfight 2v2, plus proche de la zone par contre, carrément dans la zone, donc il y a moins de problématiques pour eux, ils peuvent prendre leur temps, mais c'est très animé, très engagé pour l'instant. Ça ne s'arrête pas. Ça temporise un peu. T'es à nous ? Ouais, j'ai mis beaucoup de dégâts. J'ai 200 de bois, 100 de pierre. Ça temporise un peu, du coup, je vous invite directement à aller directement sur ce combat là maintenant. C'est Hawkers qui est en train de prendre la main. Alors que Keolis est tombé. Hawkers en situation de 1v2, il peut le faire, il peut clutch. Mesdames et messieurs, donnez votre force. Donnez votre énergie à Hawkers. Il va devoir peut-être sortir son premier gros move de cette grande finale pour permettre à sa duo de marquer les points. Situation de 1v2, mais on connaît son talent. Ça reste compliqué parce qu'ils sont full HP en face. Un full HP full shield. Ils sont arrivés chacun de leur côté. Dans la box, il est enfermé au cœur. Aucune chance. Compliqué, justement. Et c'est Wizzip et Snazy qui en sort vainqueur, justement, de cette situation. Snazy, toujours aussi agressif hein, quand il rentre dans un combat avec son coéquipier. Je les aime bien. Je sais pas pourquoi ils nous rushent alors qu'ils ont. C'est leur pin. Hein. Ils y vont violemment. Hein. Tu veux prendre l'RPG ou pas ? Ou le larpon ?
T'as quoi comme sur toi? Effectivement, ça fait mal quand je vois le pseudo d'un copain dans la barre des feeds, mais il y a pas d'affinité sur la Dog Cup, c'est chacun pour soi. Alors que je vois Candilex, maintenant c'est lui qui est en train de d'être pris d'assaut avec Nate, sorti de bordure de zone. Heureusement pour eux, l'équipe d'en face doit principalement se repositionner. Nate et Andilex face à Squall's Escrip. Pour l'instant, ils renvoient les balles. Hein. Alors qu'ils n'ont pas la bonne position, ils attirent l'attention sur eux. C'est un choix. C'est sûrement pour la Storm Surge. Hein. Parle un peu, fais attention, t'es tout seul. Effectivement, Andilex qui s'envole un peu seul, là, comme vous pouvez le voir sur la mini-carte. Avec Nate qui profite pour récupérer du bois supplémentaire. Super. Ils vont plus rien avoir. Hein. Je sais pas qui c'est. Ouais. Mais... La zone est pas mal loin. Hein. Bah, faut qu'on les laisse avancer. J'ai 4 mini, 2 respots. Puis on peut tout droit ici, hein, comme ça. Est-ce qu'ils ont bougé? Attention. Tout droit, viens. Ils sont derrière la colline, ils sont loin. Ils sont loin, effectivement. Bonne analyse d'Andilex. Prends les infos. Tout, hein. Je vois ici justement Thorak, très low life, et pourtant s'avancer sur un blaster, rappelle un blaster alpha, qui sont actuellement premiers au classement avec quelques points d'avance. Donc eux doivent jouer le plus safe possible, rentrer dans la zone avec assez de Storm Surge pour prendre des points de positionnement. Ils n'ont pas besoin de prendre des risques inutiles. Ce qui n'est pas le cas dans Thorak. Peut-être pour ça qu'Thorak agresse assez violemment malgré son peu d'HP. Antoine des 60 qui sont pas bien positionnés là, en bas de la colline et tout. Il y a ma gueule justement, UMXR un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'ils se disent? Tiens, ils sont en dessous en Storm. Aïe. J'ai pas de masse, j'ai rien. Ils ont un peu de temps, mais ils sont en dessous. Ils sont un peu de temps. Je recharge mon barrette. Va falloir trouver des situations là. T'inquiète, on va tenir. C'est bien. Il m'a 60 c'est bien. Au moins ils sont remontés. J'ai 252 bois, c'est tout ce que j'ai. Ils sont remontés sans gros danger. Supercaster et des joueurs pro en feu. Bah effectivement, c'est la grande finale. Donc on attendait que ça de la part des joueurs. Effectivement, ils sont tous en feu. Allez, Vato et Black Sou. Ça c'est l'équipe que tu vas soutenir. On a compris. Thorak malheureusement qui n'a pas touché. Après, on comprend l'idée. Il y avait vraiment une occasion là. C'est vrai que quand ça touche pas, ça fait du bruit, ça attire l'attention. Il y a rien de positif. J'ai un pas donc. Par contre, si ça touche, c'est bingo au niveau des dégâts infligés principalement. On est bien. Un petit peu le format. Si vous n'avez pas l'habitude pour voir les positionnements, ouais, vous avez toutes les infos en termes de points. Je vous mets tout ça là, prenez le temps de vous remettre tout ça à jour. On va laisser Thorak plutôt tranquille. Ils sont en train de se repositionner, pas de soucis pour eux. On voit que là justement ça va commencer à se calmer parce que ça y est, la majorité des équipes sont déjà dans la zone. On va revenir sur Thorak assez rapidement parce que je vous rappelle qu'Thorak actuellement il est en dehors de la Storm Surge, il est en dessous. Donc ils vont devoir soit agresser violemment, soit trouver de quoi piquer quelques balles de Scar ou alors une balle de sniper lourd qui les mettra en sécurité. Pour l'instant voilà, observer positionnement, regarder quelques duos en vie, un petit Skite là qui paraît un petit peu isolé mais Blacky est toujours là avec lui. Ils sont juste en prise d'information, Skite et Blacky, pas de soucis pour eux. Ce plan magnifique hein, qui vous permet justement aussi d'apprécier le travail qu'a fait Fortnite sur cette carte. Avec cette colline qui est toujours très problématique hein, quand t'es en bas. Très difficile à remonter, les tyroliennes, bah vous voyez qu'elles sont très peu utilisées en compétition. Hein, beaucoup trop vulnérables effectivement. Il y a beaucoup trop de joueurs aux alentours, c'est une erreur hein, une tyrolienne. C'est quasiment une mort assurée, t'as toujours un joueur qui peut en profiter et t'allumer. Donc du coup bah ça aide pas. Les tyroliennes n'aident pas dans ce genre de situation. Allez on revient rapidement sur Thorak. Hein. On va voir comment ils vont gérer ça justement. Parce que là voilà ça y est, la Storm Surge commence à faire des dégâts sur eux. Aïe aïe aïe. Et là t'as plus le choix. Thorak la balle importante sur eux est au terre. Il est juste en face. Il faut savoir la sortie. Il n'y a pas de temps. Il met tête en plus. Alaska. Je prends le stage, je me barre. Oh ça tombe sur ma gueule. Il a pas. UMXR, terrible pour cette duo. Parce que Batik n'attend pas qu'une équipe a autant envie de fight. Et cette balle en tête, c'est une pleine tête qu'il a mis en Thorak. Et c'est bien parce que là ça vous a vraiment fait comprendre la complexité de la Storm. C'est-à-dire que quand t'es en dessous faut pas paniquer. Il y a encore un délai, t'as le temps. Par contre dès que le temps est écoulé, les éclairs commencent à arriver. Et là tu dois te précipiter. Heureusement qu'il la touche celle-là. S'il la touche pas, il est obligé d'aller contact. Et c'est plus le même combat, surtout face à ces deux joueurs très efficaces au corps à corps, qui sont UMXR et Maguel. Et justement bah c'est UMXR hein, qui a subi. Bien joué. Ils sont sécurisés maintenant. Voilà pourquoi je voulais vous montrer un petit peu ça. Regardez ce petit bait and tackle. Le petit poisson. La poissonnerie de Fortnite. Qui nous laisse place à Renick. Derrière, caché. Proche justement. Attends. Peut-être la double. Hein. Maintenant on s'attend à tout avec Thorak, sniper en main. Mais par contre, il touche toutes ses balles. C'est abusé. Thorak. Très patient. Alors que Yakzu et Kizik sont en train de rentrer dans le fight. Il attend justement l'erreur. Trixou qui défend hein, face à deux joueurs. Voilà, oh, il est prêt. Hein. Il a l'affût. Hein. Okay, ça lui a donné de la confiance, quoi, hein, Thorak. Ça lui a donné de la confiance. Non. Ils sont en double barrette. Il est là, 1, 2, 3. Non, ils sont pas en double barrette. Donc c'est barrette, il tout full Alaska. Rentrons dans le combat. Tiens, je vous propose d'aller me suivre. On va aller voir justement le combat de l'intérieur avec Yakzu et Kezix. Qui sont déjà en 2v1 face à Trixou. Et en plus de ça, aux alentours, ça en profite, hein, clairement. Disons les choses. 2 kills déjà validés hein, pour eux. Alors que pour le moment, ça a l'air de s'être calmé, clairement.
Mais Trixou lui n'a pas fini hein. Trixou il a pas fini. Les Edith hein, elles sont de leur côté. Yakzuka. Oh mais pourquoi? Waouh. Une balle chacun. Trixou qui est en train de les calmer. Mais plus que ça même. Vous avez vu les deux là, ils se font les malins, ça y va, ça y va. Toi tu prends une balle, tu recules. Toi tu viens, tu prends une balle, tu recules. Trixou qui panique pas du tout. On va passer de son côté parce qu'il prend de la confiance là. Le coéquipier de DRG, on va l'écouter. Il a tout là maintenant pour reprendre. En 1v2, ouais. Voilà. Alors qu'on félicite le move d'Entourage juste avant. Move un peu intéressant, hein. C'est même pas que la balle de snipe, c'est la gestion de la Storm Surge qui était intéressante de la part de la team d'Entourage. Regardez Trixou qui a pris de la confiance hein. Maintenant qu'il sait que avec ce space légendaire, il a pris l'ascendant psychologique. Et c'est même lui qui a envie de barrer in. Boum! Quelle leçon! Prenez des notes! Prenez tous des notes sur cette Dwag Cup. Trixou est en train de montrer comment on fait pour déjà gérer un 1v2 et même peut-être aller prendre des points. Mais regardez comme maintenant ça va fuir. Regardez comme maintenant ça va fuir. Trixou il a pas fini. Hein. Il veut pas les laisser. Dans tous les cas, sa Storm Surge elle est sécurisée maintenant. Et là c'est une guerre des nerfs. En attendant, je vous propose de regarder le plan large, histoire que vous voyez vraiment tout ce qui se passe avec justement ce barrage hein, qui va être pour l'instant à l'avantage des gens qui sont au-dessus, mais problématique pour plus tard si jamais la zone vient se refermer dessus. D'ailleurs, la zone, on la voit clairement. Et par rapport au barrage, ça va être totalement de l'autre côté. Hein. Regardez. Ça va être par ici. Attention à Trixou qui voit les fights à l'autre. Il est en dessous. Ah non, il est au-dessus. Putain, j'ai eu peur. C'est le bug, justement, le petit décalage. Parce que... Ah, malheureusement. Malheureusement pour lui, il n'ira pas plus loin, mais il sera quand même bien défendu en 1v2, rien à dire. Alors que là, on est passé sur Bat Sniper et Kazu. On va essayer de voir qui a la Storm Surge. Hein. Qui est-ce qui sera capable de prendre quelques éclairs dans 40 secondes? Pour l'instant, regardons Bat Sniper qui essaye de passer. J'ai pas pu tirer dessus comme je voulais. Bat Sniper et Kazu sur Blaster et Alpha, les deux prétendants au titre ouais. pour le moment, les deux mieux placés. Quoi? Mais non! Les nerfs vont lâcher dans cette finale de la Dwag Cup. Attention à pas non plus déconcentrer le collègue, parce que là maintenant Battlebird doit faire face aux deux joueurs les plus en forme de cette Dwag Cup, les deux Trainard. On voit Nate en direct, on va pour l'instant en position de sécurité. Hulk côté droit. Et ça y est, la tempête violente est en cours. Oh! Le coup de génie de Bat Sniper qui veut profiter de l'assaut alors qu'on voit des coups d'éclairs en face. Bat Sniper qui va tomber. Et regardons où est-ce que sont les éclairs. Où est-ce que sont les éclairs? S'il y en a encore, bien sûr, la Storm Surge est toujours active. J'essaye de voir sur quelle équipe ça va tomber. J'en vois aucun pour le moment alors qu'il reste encore une personne en trop de vivants. Donc la Storm Surge qui va aller se calmer tranquillement. Et on va la mettre de côté dans quelques instants. Vous voyez qu'il y a du gros bordel. Hein. Repassons sur les top joueurs pour l'instant, Blaster et Alpha. Parce que pour l'instant... Ils sont pas en position de sécurité, il va falloir qu'ils aillent chercher ce late game pour conserver leur première place. Hein. Parce qu'il y a des équipes qui vont agresser, qui vont pousser au classement. Donc, oh Alpha qui tombe! Mais comment tu peux pas build? Oh. Je suis mort, il y a des mecs derrière toi, fais gaffe. Alpha qui tombe, Blaster qui reste tout seul! Aïe, on perd Alpha et Blaster, ça c'est terrible! Au classement, ça va changer beaucoup de choses et maintenant, ceux qui ont vu la barre des feeds, ça va les mettre en confiance. Yoda, mesdames et messieurs, qui avait déjà fait beaucoup de kills ce soir, de ce que j'avais cru comprendre, continue son travail. Avec 4 kills déjà confirmés pour lui. 1 de la part de son coéquipier Hulk qu'on avait vu sur le flanc droit. Et ça y est, on arrive tranquillement sur ce late game. Ouais, faut jouer là, il est avec le stuff. Je suis remonté encore d'un étage. C'est chaud, on a le d'avant. Oh, les lasers de Yoda sont très violents. Hein. J'ai encore un pad. Hein. Ils ont un rocket en dessous. Je passe ta zone. J'ai 11 rockets. On voit Skite là pour l'instant, numéro 27. J'ai vu Andilex, Nate toujours debout. Pareil pour One Last et son coéquipier. J'ai un pont, enfin j'ai grappin. Ouais, tranquille. Au côté de la team de Meteor. On va jouer là. Aïe, avec nos roquettes. Airwax, Nikov, ouais. Toujours debout aussi. Dans la mêlée avec Flo qui contact. Il n'y a aucune base, attends. Ouais, il y a rien. Non, c'est même pas en zone. Et ça y est, les premières hostilités ont commencé en plein milieu. Hein. Ceux qui sont tout en haut pour l'instant sont pas dérangés. Ceux qui sont déjà tout au fond aussi. Par contre, entre les deux, ça s'affronte de tous les côtés avec des roquettes qui essayent de passer, mais il n'y aura plus trop d'adversaires. On va aller du côté de Nate, tiens, justement, parce qu'ils sont en plein milieu. On va voir comment ils vont faire eux pour se repositionner. Deux joueurs expérimentés qui doivent prendre des points. Donc en même temps, ils doivent se repositionner. En même temps, ils vont devoir se mettre à l'abri pour justement les prochaines games et donc aller prendre des kills et des fights. Nate qui a fait un kill. L'auteur c'est mort, Allez, c'est le moment compliqué. Ouais. Faut se parler, faut s'organiser, il y a beaucoup d'éléments, faut suivre la bonne personne. Y'a un mec qui est sur moi, c'est moi. Vers toi. En direct, il subit l'assaut. Putain. Allez, c'est pas fini pour Nate. Je suis mort aussi, mais non, mais ils sont trop cons. Aïe, 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 Nate qui va suivre, hein. C'est très compliqué. La solette game, on parle de très très haut niveau, forcément. Allons faire un petit côté du côté d'un Blax. Un Blax qui a pris un petit peu les devants, qui lui est déjà sur son extend.
avec des petites edits retour derrière comme ça pour pouvoir avoir des bonnes lignes de tir sur les petits retardataires. C'est très bien ce qu'il fait Black. Malheureusement pour lui, ça sera pas récompensé. Personne ne passera par son chemin. De l'autre côté, la hauteur est toujours conservée par Yoda et Hulk. Vous voyez ici à l'écran qui commence à bourrer avec la minigun et 1000 munitions actuellement à disposition de son côté. Scarb mythique aussi, 393 munitions. Le space rappelle, rappelez-vous, hein, légendaire disponible sur Hulk qui pourra faire de gros gros massacres. Ils sont tellement bien équipés, gros. Ils ont grappin, ils ont la Scarlet mythique, le minigun mythique et ils ont aussi deux spaces chacun. Ils sont trop bien pour cette game, Yoda et Hulk. Rien à dire. Et là, ça bourre sur KZR Roba. Ils ont tellement de choses à gérer en bas qu'il faut, ils peuvent pas se préoccuper de ce qui se passe en haut. Et il en profite justement avec le bazooka en plus de Hulk. S'il combine bien avec Rock ici, gros. Yoda, ils peuvent s'éclater. Les Rock aussi, mec, que je vous prends cette barre. Airwalk qui prend la foudre. Elle surchauffe, hein. L'arme, le minigun surchauffe fort. Enfin, nous, on voit là, il y a 4-5 adversaires. Là, tu mets une roquette dedans, c'est. Et ça va extendre tranquillement niveau construction, on arrive vers la fin. Ouais, ils arrivent pas, parce que pour l'instant ça défend vachement bien. On passe rapidement dans la mêlée avec Nikov Airwalk justement. 4 poissons pour Nikov actuellement. Airwalk qui prend son duel face à Skyden. Wax qui continue son massacre face à Maiden. En train de combattre ? Ouais, je suis en train de battre. Magnifique ce qu'il fait là, le joueur Vitality. Nikov aussi qui va devoir s'exprimer en passant par d'ailleurs là où on l'attend pas. Bazooka en main. Ça évite pas du tout, attention, il y a des poissons sur moi. Tu le mec sur moi, tu le mec sur moi. Attention, non, il est concentré ailleurs, il pouvait pas clairement pas aider. On passe maintenant sur 4ZR, toujours debout dans la mêlée. Alors que regardez, hein, Hulk et Yoda continuent de se faire plaisir d'en haut, mais il valide pas beaucoup de kills. Thompson récupéré par 4ZR, non, il a pas eu le temps, il a focus sur le poisson, il a raison. Vas-y, coach, nice, parfait. Regarde tes mats, hein. Il gagne des temps, oh, 4ZR l'attaque. L'attaque de 4ZR qui va être défendue, 4ZR peut-être pour l'exploit. Même si je vous rappelle, ils sont très bien armés là, Yoda et Hulk. Mais 4ZR qui a tenté. Gros, là c'est la D, niveau HP aussi. Il a beaucoup de construction pour tout, il a tellement de construction, il aurait pu prendre l'avantage parce qu'en fait Yoda et Hulk arrivaient logiquement sur la fin de leur construction. Oh, c'est le moment difficile où faut tenir. Après je vous rappelle qu'il y a un autre élément là, il reste des joueurs, hein. Ah, dommage, malheureusement KZR n'a pas été soutenu. Il reste deux duos dont un team qui est debout l'Oles au sol. Donc la dernière duo restante effectivement c'est Yoda et Hulk, mesdames et messieurs, qui vont l'emporter. Ça fait une bonne game. Victoire de Yoda et Hulk sur cette game qu'on fait en plus un petit massacre avec 9 kills. Ouais, faire top 1, milieu. Faire top 1. Facile. Ils vont remonter, ils vont remonter. Et ils ont fait beaucoup de kills ce soir. Ils sont très bien au classement, Yoda justement et Hulk. Ouais, avant la game, ouais, ils étaient... J'imagine que Dogbeat est channel, donc je peux pas rester invoqué avec vous du coup. Dites-vous justement que Yoda et Hulk juste avant ça étaient 13e. Gardez ça en tête, vous allez voir à quel point quand tu sors une grosse game comme ça à 19 points, tu peux passer de la 13e place à genre à la 2e place. Hein. Gardez ça en tête, ils étaient 13e avant cette game et effectivement ils sont déjà récompensés. C'est des monstres Yoda et Hulk, effectivement, hashtag DuckCup sur le chat. Et ils enchaînent, hein, kill sur kill, action sur action. Ils sont bien repris, ils ont bien repris après la pause le jeu. Donc bravo pour l'instant à tous les joueurs. Je vous remets justement la liste des joueurs histoire que vous voyez, hein, tous les joueurs concernés dans cette finale de la DuckCup. Toutes ces équipes là sont des joueurs incroyables, sont des joueurs incroyables. Il n'y en a pas une qui est là qui a volé sa place. Maintenant le but c'est d'être le meilleur parmi les meilleurs et ça c'est encore un autre domaine. Cinquième game, avant dernière game, attention, prenons un petit peu notre temps, soufflons, buvez de l'eau. Et Antoine Griezmann qui est sur le chat. Antoine Griezmann qui était sur le chat, je sais pas s'il est toujours là. Il a marqué Snazy, mon chouchou. Attendez, c'est incroyable ce genre de message. Qui aurait pu dire ça il y a 2 ans? Antoine Griezmann, il nous dit sur le chat, sur mon chat, c'est les messages qui m'ont été remontés. Il dit, il a marqué Snazy, mon chouchou Snazy. J'ai l'impression que c'est sa daronne, frère. Non mais... Après, il a marqué merci pour l'invitation d'Oag. À croire que je l'ai invité lui, tu sais. Mec, il s'est qualifié, gros. C'est quand même le meilleur. J'ai l'impression qu'il y a la daronne de Snazy sur le chat, faites gaffe. Hulk et Yoda, inhumain. Ça, c'est le mot choisi. L'adjectif choisi par Célien sur le hashtag DuckCup. C'est une scène de la DuckCup, elle est incroyable. Dogby, il gère le mode ops comme Nate gère Fortnite. Eh, en vrai, on peut s'arrêter 2 secondes. Je suis à l'aise maintenant, non? Tu sais, genre, avoue que. Tac, une action ici, bam bam. Un peu là-bas, un peu là. Le vocal, tac tac. On n'en parle pas, mais Fortnite, si jamais vous avez besoin de d'un expert. Voilà, je coûte pas cher. C'est 5000 euros l'heure. Ça va vous? Super gameplay. Je me retrouve des fois à leur dire de faire tel rota ou tel autre rota alors que c'est des pros. Bah ouais, ils savent ce qu'ils font, mec. C'est pour ça que c'est eux sur le terrain. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que les pros, certes, en fait, ils comprennent beaucoup de choses, mais parfois, c'est tellement des automatismes qui sont bloqués là-dedans. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des avis extérieurs pertinents. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'après, c'est aussi à eux de vérifier si les avis qu'ils ont, ils sont pertinents ou non. Mais justement, c'est très très important d'avoir quand même des avis extérieurs, de coach, d'analyste, pour justement pouvoir se remettre en question.
question. Donc après, écouter l'argument ou pas, ça c'est leur décision à eux. Parce que c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui ont le feeling, c'est eux qui ont vraiment tous les éléments pour le juger. Maintenant, des fois, t'es bloqué dans tes automatismes et il faut sortir de là, c'est pas évident. Game 5 on est et ça vient de se lancer. Oui monsieur, voilà, des fois les tweets simples suffisent. Mon tweet peut passer s'il vous plaît, voilà. Très simple, efficace. Pour démarrer la game 5, y a pas mieux. Y avait pas mieux à dire que ça, clairement. Clairement, vous me terminez. Allez, le chat qui est en folie, on check pour le classement. Si on l'a à jour, je crois qu'on l'a à jour. Hein. Si on peut placer le classement assez rapidement, je suis très très chaud pour que justement on rentre clairement dedans. Regardez comment ça commence à devenir compliqué sur le haut du classement. Yoda et Hulk ont pris la tête. C'est la première fois que les trainards ont été délogés. Je vous l'avais dit, hein, leur mort assez tôt a des conséquences. 37 points pour Yoda et Hulk. Floki, Sendeli, 33. 32 pour Deshiptos, Enoka, Alpha et Blaster, 32. Blacky Skite, 31. Ils reviennent de loin, leur régulier leur a ramené ce top 5 actuellement. Stacy, justement, le joueur Grizzly qu'on parlait à l'instant, le chouchou d'Antoine Griezmann, est actuellement à la 6ème position avec Whitzip. Tout est possible pour eux. Andilex Nate, 26 points. Ils sont revenus aussi très bien dans cette deuxième partie de compétition. Je vous laisse observer le reste. Mais là, on va commencer à se focaliser sur le top 10. Hein. Là, le top 10 et va avoir un focus plus précis parce que bah, le gagnant se cache dedans. On n'est toujours pas à l'abri qu'une équipe fasse deux fois top 1 in 2D kill. Mais techniquement parlant, il y a de grandes chances que le gagnant de la Dwight Cup soit actuellement dans le top 10. On retourne à l'agression justement et on va passer je pense sur Alpha et Blaster, savoir un peu comment ils vivent le fait d'avoir perdu la première place parce qu'ils ont dû être au courant, ils doivent le savoir ou le sentir, donc c'est ça reste important. Le carrage, est-ce qu'ils vont changer leur style de jeu ou pas? Allez, est-ce qu'on a la zone? Ok, ça va, un petit pad et on est trop bien. Vérifiez que ce Twitos paye ses dettes. vérifiez, je vous fais confiance le chat. Allez, Alpha qui se... Vous le sentez, hein, voilà, il chauffe les mains. Non mais Alpha, il est... Non mais il peut pas se concentrer, il est en train de faire une garde. Mais comment vous voulez qu'il joue dans de bonnes conditions? Il est en train... Il est en garderie. Hop là. C'est incroyable. Mais gros, hop là, mais il y a un dîner de famille derrière lui en finale de la Dwight Cup pour 25 000 $. Mais moi je suis à sa place, je ferme la porte à clé, y'a personne qui entre. J'ai des mini pour toi si tu veux, je te la balance. Ouais, j'en ai déjà. Et regardez le focus, hein, ils ont. Pour eux, c'est devenu un bruit de fond, hein, ça n'existe pas. On va les laisser tranquilles, mais vous avez compris l'idée, quoi. C'est pas évident pour eux, à mon avis, de jouer dans les meilleures conditions actuellement. Et ça, malheureusement, bah, vu qu'on n'est pas en online, moi, c'est pour ça que la Dwight Cup, je vous dis, je veux la faire en physique, sur une scène, avec du public, parce que le public va faire partie de l'effervescence. Bon, ça paraît très compliqué pour 2020, on l'a tous compris avec le confinement de manière générale. Même s'il y a une différence entre faire des événements nationaux et des événements internationaux. Donc, il y a une vraie différence, parce que la manière dont on va pouvoir bouger d'un pays à l'autre. Va être impacté. Par contre, bouger dans notre propre pays, ça va être, on va dire, de plus en plus possible. Même s'il va falloir déjà envisager qu'on sorte du confinement, etc. Donc là, on parle de dans 6 à 8 mois déjà. Mais je suis encore en train de bosser dessus. Hein. Je l'ai mis de côté, forcément, confinement oblige. Mais je l'ai pas oublié, cette Dwight Cup en IRL, qui changerait tout, la preuve. Allez, on va aller du côté de la grotte, hein, pour savoir ce que là, le chat le réclame. Bah, il se passe plus grand chose au niveau de la grotte. On a X-Wiz qui a gagné. Voilà ce qui se passe. Et qui tape sa meilleure danse. X-Wiz qui a gagné enfin le 2v2. Qui va pouvoir aller réanimer No Ward, je l'espère. On va voir ce qu'il se dit. Et oui. Là, on pourrait peut-être juste tester là. Attendre la prochaine game. Voilà, X-Wiz qui fête sa victoire. Bon, vas-y, go fast. Bas les couilles. Oh, on va peut-être revenir sur eux. Il n'y a que le premier qui récupère Mikasa. Faut faire gaffe parce que Dirty nous backstab pas, par contre. Il tape sa meilleure danse, X-Wiz. Ça a été une. Le problème, c'est que ça leur a fait mal à leur tournoi à tous les deux. Hein. Il est là le souci. Skite qui s'anime aussi avec Blacky. Un kill récupéré. Pour cette duo là, tout va très très bien. J'ai une canne à pêche quoi. Ah, mais en vrai, c'est 5ème au classement. Bah, en vrai, c'est plus rentable. Bah, on a rien. Hein. Mais, bah, y'a le camion et y'a. Ouais, je sais pas. Il y a un bon pêche là. Attends. Vas-y, Chalou, ouais. Je commence à monter au pire, ok. Ils sont très bien trouvés. Hein. Ils sont trouvés assez tard en haut. Depuis qu'ils sont ensemble, je suis bien. Alors, il y a un bullfight qui est en train de se lancer directement avec Podasai. Face à Breizou, mesdames et messieurs, Podasai face à Breizou en bullfight. En pleine grande finale de la Dwight Cup. Qui va prendre le high? Qui va prendre le dessus? Ça me chauffe pour demain. Et Breizou qui a perdu malheureusement contact face à son adversaire. Il va rester Vox en situation de 1v2. Très compliqué. Sauf si tombe Vox orque très vite pour finir. Et il n'a pas le temps. Et Podasai, grand vainqueur de cette situation. Attention, Podasai et Orc sont on fire pour cette game. La réanimation s'est faite très rapidement. Et on va aller voir rapidement les premiers au classement. Je vous rappelle, vous l'avez vu avec leur très bonne game. Quoique, priorité à l'action, priorité au direct. Avec ce qui se passe là-bas du côté de Draclure et de Petzel qui sont tous là deux éliminés face à Lawless
et à Team. Je vous l'ai dit, on est game 5. Il y a déjà plus de morts que d'habitude. Je ne vous ai pas menti. Clément qui vient de tomber face à Jan aussi dans la barre des feeds. Ah, du coup, je fous moi quasiment. Moi, j'ai rien. Waouh. Ça ne s'arrête pas. Ouais. Allez, je voulais faire un petit tour quand même du côté de Yoda et Hulk. C'est jamais évident d'être premier. Faut toujours avoir la bonne stratégie. On va écouter rapidement l'ambiance avant de repartir sur de l'action. T'as trouvé des dégâts à mettre ? Ouais. 78, on a un peu moins. C'est là. Faut juste remettre des balles derrière. C'est Tchal à la PM, donc c'est du close. Ça dans Weeping ? Non, mais j'ai très concentré. Hein. Très concentré, ouais. Ils ont compris que. Ouais, ils sont Tchal à la PM. Ils ont compris que ça pouvait être pour eux. Très, très, très focus, justement. Alors que là, je vois Michael et MXR assez loin de la prochaine zone, même si forcément à Steamy, t'as les bumpers, t'as les propulseurs. Ils ont gagné en tout cas leur spawn très facilement. KZX qui vient de tomber, DRG, on le voit dans la barre des feeds. Et là, ça se repositionne stratégiquement pour les deux. Nous, on peut le voir. Personne n'est sur leur trajectoire. Ça devrait plutôt bien se passer. Gros coup de chance pour eux. Justement, là, il y a une action en même temps. Là, justement, avec Yagzu et KZX. En plein combat, plein affrontement. Je vous l'ai dit, les joueurs sont en colère. C'est les early games qui vont être très agressifs. Les mid games vont être un peu plus calmes. Il y aura plus d'espace pour tout le monde. Vu qu'il y aura eu beaucoup de morts. Et les late games, ce sera quasiment pareil. On aura toujours une soixantaine de joueurs dans les late games. Mais là, Yagzu qui vient de faire un gros fight. Parce qu'il permet aussi de récupérer la carte, d'aller réa et surtout d'avoir le grappin, la scar mythique. Il a réussi à, je pensais que t'allais rentrer à se mettre très très bien. Je pensais que t'allais, vu qu'il, en fait, tu sais qu'il a voulu tout lean, hein. C'est pour ça que je suis rentré. Ouais, je sais, il voulait revenir et après il est reparti. Genre, Trixo, il est en train de marquer dans le général. Vas-y, mais tu sais que DRG, j'ai mis un truc de fou furieux, vraiment. T'arrives. J'ai mis une triple edit de moins 142, mais comme si j'étais en créa. Ça sert, hein, ça sert de traîner en créa, effectivement. Il y a certains setups que tu fais en box fight ou même traîner les hésites et tout pour te permettre d'être plus à l'aise dans ce genre de situation. Et oui, il faut traîner en créa, clairement. Regardez là, il y a peut-être un face-à-face qui est en train de se mettre en place indirectement. Je vois Podasai et justement Naoka et son coéquipier en train de se chercher. C'est deux équipes qui ont besoin de points, donc je serais pas étonné qu'ils se rendent dedans, alors que d'habitude, vous avez compris, ils seraient en train de chercher le repositionnement stratégique. Mais non, finalement ça n'ira pas plus loin. Ils vont rester observateurs les deux de la situation. Tant mieux. Allons faire un petit tour du côté de Snazy. Justement, et Witzip, eux aussi très très bien au classement. 6ème position actuellement pour ces joueurs ici à l'écran. Au niveau de leur item, vous avez vu, ils sont quand même assez bien. Assez bien. Tiens les balles. On voit deux poissons bleus, deux gros spots, le petit grappin qui permet de ramasser. C'est pas face. Avec un pont très correct. Ah, ok. Effectivement, ça n'a pas été loot ici. Non, hein, je parle gros pour la montagne. Ou à moitié loot. Côté Snaze. On n'a pas la zone goal. Et du coup, du côté de Wizip, on a trois gros spots de mini. Et sinon, ils ont tout ce qu'il faut entre les mains. Allez, revenons à l'action. Revenons au combat avec Falcon Lee et Zanku. Je pense qu'on a fait le côté plein milieu d'un fight. Même si je pense que là, ils vont prendre position. Ça va peut-être pas aller plus loin. Ça a commencé à se titiller, à se chercher. Le problème, c'est qu'il y a toutes les équipes aux alentours. Hein, parce que nous, on parle, mais la zone se réduit. Donc là, t'as toutes les équipes aux alentours qui, maintenant, ça y est, ont une vision sur ce genre de construction et peuvent profiter. Vous avez vu là les constructions qu'on a? On n'avait jamais vu ça dans les premières games. Tout ça parce qu'en fait, maintenant, les duos n'ont pas peur d'engager des gros 2v2 bourrins, de dépenser des maths pour ça. Et on se retrouve, comme Zanku actuellement, avec très très peu de maths à disposition. Donc ce qui fait qu'ils sont obligés de prendre le fight. Ils ont plus le choix. Et heureusement Falcon est très bon avec le retake edit. Mais frère, j'ai pas de maths. Bah ouais, c'est plus les mêmes IM. Bienvenue sur les fins de soirée de World Cup. Et là c'est comme si j'étais à la World Cup. Ah bah voilà, putain, ils comparent, ça fait plaisir. La World Cup, tout ça, ça fait plaisir, merci. Oh mais tu sais que les trucs, ils se regroupent et tout là, ils vont faire un assaut. Ah guet-apens, je suis fini gros. Falcon il garde quand même le sourire. Alors qu'effectivement le pire est à venir pour lui avec ses peu de maths aussi. C'est tellement fini. Il a pas le choix, il faut qu'il tente de toute façon. Ouais, il a compris. Il a compris que c'était l'assaut. Ça prend ses paris sur le vocal. Mais attention, à pas. OBJ. Oh ouais, mais frère, j'ai compris, frère. Gros, je l'ai mis tellement de balles. Vas-y, c'est bon, frère, c'est tellement nul. Dommage pour Falcon Lee. C'est Jan et Destro qui sortent vainqueurs de cette situation. Qu'est-ce qui se passe là-dedans, là? Je vois un Hawkers, engagé. C'est un Hawkers engagé, effectivement. Enfin, attaqué, plutôt. Ouais. Oh là là, mais regardez la violence des affrontements. Vous avez vu que c'est en tout cas des joueurs qui se sont entraînés. Hein. C'est des joueurs qui se sont entraînés, ouais, qui comprennent maintenant comment tu joues un début de tournoi, un milieu de tournoi et un fin de tournoi. Et c'est ça qui est bon, c'est qu'en fait Fortnite, il y a plusieurs séquences que t'as appris à faire entre la game 1 et la game 3. Tu dois totalement remettre en question entre la game 4 et la game 6, enfin game 5. Et du coup game 6, vous allez voir que ça sera encore totalement différent. Parce qu'il va falloir encore plus du coup sécuriser.
Parce qu'il y aura beaucoup de moins d'espoir permis en game 6. Alors que là, tout le monde peut encore y croire en se disant allez, sur deux bonnes games, je reviens. Hawker, Keolis. Ça parle pas, hein. Très silencieux, très concentré. Les gars, c'est pas moi ça. Je vais écrire un peu de silence en fait. Attention, retake. L'autre, il est isolé sur moi là. Il y a un archer là dans l'histoire. Et regardez hein, comment ça se ramène. Regardez sur la mini-carte hein, comment les duos se ramènent. Il y a une duo qui vient s'ajouter au combat existant. Ouais, c'est et c'est Blacky et Sky. Sur moi. Blacky et Sky. Bon, crac. Non, ma mort. Attention. Ici, pardon. Blacky et Sky ici à l'écran. Tu la merde, pourquoi ils font ça alors qu'ils sont nuls au jeu. Sandbox, je suis full stack. Alors que Hawker a gagné son affrontement avec Keolis en 2v2, vous l'avez vu. Et du coup, est-ce que voilà, il va s'engager hein. Crac. Il va s'engager, Sky. Il va s'engager, il a pas encore. Encore, les deux cracks. Alors que je vous rappelle hein, qu'il est très bien au classement, mais ils sont 5ème et pourtant ils veulent aller chercher la première place. Oh, on devrait pas faire ça. Il le sait, Blacky, mais en même temps, il leur faut des points pour aller chercher la première. T'as le mini, t'as plus rien. Non, j'ai rien, juste tué le mec en fait. Il faut oser. Bon, Rota maintenant, non. Attends. Des mecs bord de zone là. Tu veux pas, Rota? Attends. Ça y est, on arrive dans le monde stratégique. Il y a quand même beaucoup de morts hein, depuis tout à l'heure. Ouais, il y a des champis là, hein, j'ai envie d'y aller. 66 joueurs malgré ouais, tout. Ouais, moi aussi j'ai envie de tirer en fait. Attends. Ou alors on avance, c'est une Rota free là, tout droit là. Ah, c'est dur de faire des choix. Hein. Un peu, je pense. Hein. Vas-y, go, je suis allé. Je rappelle que la map maintenant est plus. Piston bois, Balek. Plus libre parce qu'il y a eu beaucoup de morts donc tu peux plus Rota que. En fait, c'est ça le truc. C'est que certes, t'as des fights qui sont beaucoup plus assumés. En attendant, je vous laisse regarder un petit peu ce qui se passe. T'as des fights qui sont beaucoup plus assumés donc engagés. Mais du coup, à l'avantage de ça, c'est que t'as des zones beaucoup plus libres que d'habitude. Donc tes rotations vont te coûter moins de construction que dans les autres games. Donc. Tu vas investir plus de construction dans tes premiers fights, mais moins de construction dans tes rotas. Donc du coup, tu dois toujours avoir une certaine dose pour pouvoir préparer et être ready pour le late game. C'est vraiment un autre jeu, quoi. J'insiste beaucoup là-dessus, mais les fins de tournoi, c'est un autre jeu. En tout cas, dans ce genre de format où tu connais les duos, tu sais qui va où. Hein. En FNCS, je pense que ça change rien parce que tous les lobbies sont bordéliques, tu vois ce que je veux dire. Mais dans ce genre de délire où tu sais qui est où, qui fait quoi, qui quoi, comment, c'est un autre jeu. Et c'est pour ça que j'adore ce format-là où c'est en comité restreint parce qu'il faut que cette connaissance de mon adversaire, de mes adversaires soient pris en compte dans chaque décision, dans chaque mouvement, dans chaque action. C'est extrêmement important pour moi parce que il est là le vrai côté compétitif de Fortnite. Il est dans ce travail à faire aussi. Parce que ça, plus ça, plus ça, plus ça fait que ce jeu peut être clairement respecté en e-sport. Mais effectivement, quand tu jettes des joueurs random dans des games random en leur disant celui qui gagne le max de kills et le max. Enfin, c'est moins e-sport quoi, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire, je pense que vous m'avez compris. Allez, revenons à l'action. Bah, il y en a peu d'action pour le moment, si ce n'est l'équipe 22 qui essaie de se repositionner tranquillement avec justement Robab. Aussi qui en profitent pour dégainer. Ils sont juste en dessous la team de Robabs. Et ils sont carrément engagés dedans. Team 25, on passe sur eux. Robabs et 4ZR engagés dans leur combat. Un kill validé pour 4ZR. J'ai un ghost. Mais moi, attention, pas hein. Il y a énormément de monde sur eux. J'ai 9. Allez, voilà. Il faut pas tourner les yeux. Faut pas tourner les yeux une seconde. Attention. Très grosse. Ça tire. Je suis descendu. Allez, ils sont assez tranquilles, allons voir. Non, enfin, premier au classement, Yoda. Yoda qui vient de tomber sous nos yeux avec Hulk. Alors qu'ils étaient top 32. C'est terrible pour le classement pour eux. Yoda et Hulk étaient premiers actuellement avec. J'ai leur nombre de points normalement. Ils étaient premiers avec 37 points. Viennent de tomber. Oh, c'est terrible pour eux. Alors que vraiment, ils venaient de toucher cette première place. Ils vont la perdre très rapidement. Et le problème, c'est qu'ils vont être devancés là. Et c'est ça aussi la régularité à avoir en fin de tournoi. C'est que quand t'es très haut, t'as encore moins le droit à l'erreur. Là, ils vont s'en vouloir. Je sais pas ce qui s'est passé concrètement parce qu'on est arrivé sur la fin. Mais ils vont s'en vouloir. Revenons, tiens, sur une équipe qui, eux, ont dominé tout le début de tournoi. Qui pourraient être les grands gagnants de cette situation. Blaster et Alpha qui, pour l'instant, sont observateurs. Devant nous, go, c'est Stick, il y a peut-être moyen d'arracher un mec là. Le dernier. Ils sont en train de regarder tranquillement. En bas là, je sais pas si tu l'as vu. Oh, parlez pas, je sais pas ce qui. Ok. Avec justement, vous voyez la zone globale. J'ai vu ma gueule et le MXR en vie, justement. Ok, il y a un mec tout en haut. Je crois qu'il a un barrette avec Belek. Ouais, il a un barrette. Pas attendre qu'il décale et on met un laser. Hein. Et en toi à côté dessus. Je tentais un truc. C'est vrai qu'il y a la garderie, putain. Tu voulais grave tuer la peau. Ouais, il a pas mis de trucs. Vous voyez ma gueule, justement, numéro 20 en plein milieu de l'écran. Ma gueule est debout. Nikov à côté de ma gueule. Ça a l'air de ça. Go, avancer, t'attends tout là. Avancer. Ça a l'air de. Dans ce fight là-bas. Hein. Vas-y, viens, voilà ça. Je pense là. Vas-y, y en a qui a pris cher, je crois. Ah non, je suis pas sûr. Non, côté pas Blaster gars. Alpha, ça joue. Safe, un double barrette. Allez, avancer, on, va encore, on va rentrer dans la mêlée avec ma gueule. On va rentrer dans la mêlée avec ma gueule. Je crois que oui. Et EMXR qui, justement, je sais pas si ceux qui agressent, ceux qui sont agressés, c'était assez bordélique, mais il y avait 3-4 teams dans les alentours, dont celle de Nikov pas loin. La tempête aussi fait son apparition pour la première fois, vu le nombre de kills qu'il y a eu. C'est totalement normal. Comment vont-ils réagir? Oh, c'est en plein nord.
Eux ils sont très larges hein, pour le moment. Dans tous les cas il reste 50 secondes avant que les premiers éclairs fassent leur apparition. Et dans tous les cas ils vont pas attendre. Ma gueule, avec ce full à la PM, contact à Entourac. Et il vient... Oh là, attention à pas non plus. Et il y a le pad de récompense. Attention à pas prendre trop la confiance. Restons concentrés. Il y a Podas ailleurs que juste en dessous. Il y a encore des choses à faire. Ils ont récupéré le space. Ils ont récupéré un pad supplémentaire. Le full à la PM très violent hein, de ma gueule qui maintenant lui permet d'être à 3 kills et ça continue. Ça vient s'offrir et c'est les trainers avec Alpha et Blaster. On était sur eux juste avant. Et oui, ils jouent beaucoup de choses dans cet affrontement face à un ma gueule en confiance clairement. Beaucoup de construction au sol à disponibilité. À disposition pour le gagnant, hein, que ce soit eux ou en face, il y a beaucoup de construits dans cet affrontement direct. Et effectivement, ils sont déjà dans la zone en plus. Hein, donc, et pourtant, ils se cherchent quand même, hein, zone ou pas zone. Rien à foutre. Il y a beaucoup. Il y a énormément de construction. J'ai même vu un petit poisson. Allez, voyons voir s'il n'y a pas des éclairs qui vont commencer à apparaître quelque part. Parce que ça s'est calmé autour de ma gueule et de MXR. Les éclairs vont falloir apparaître. Il y a 3 joueurs de trop. Ils sont 53, il va en falloir 50 d'ici quelques instants. Je vois Kezix et Yagzu en grosse difficulté pour l'instant en termes de points de vie. Mais je vois pas d'éclair particulier pour le moment. Vous me dites hein, le chat si vous arrivez à en voir un. Passons sur Kezik et Yazou hein, qui sont très très mal en point malgré leur stuff incroyable. Je vous rappelle c'est eux qui avaient le grappin, la scar mythique. Mais ils ont rien d'autre pour faire remonter les barres. Compliqué, compliqué, compliqué. Sauf que là ils peuvent essayer d'en profiter pour récupérer un kill. Il y a un anti-lex au sol avec un Nate justement qui a peut-être essayé de faire le héros. Nate, mesdames et messieurs, qui lui aussi est remonté au classement hein, donc il peut assumer. Il faut le gagner ce duel Nate si tu le prends. Tu connais tes risques. Il est vraiment anticipé. Edith. Oh, il s'est fait voler le kill. Je pense qu'il comptait là-dessus. Nate qui trouve le petit pad. Nate. Oh, il va reclaquer un poisson. Oh, regardez le sang-froid. Mais quoi? Faut rester focus. Vrai, mort, non, 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 non. Ça, et ça me casse pas. Les couilles. Ça me passera pas et c'est très perturbant. Justement, Airwax et Nikop qui eux sont à l'affût alors que c'est Alpha qui a pris le kill sur Nate dans les airs. Airwax et Nikop qui sont debout. Qui ont déjà quasiment la top hauteur. C'est peut-être leur game. Ça part, c'est sur nous. Je vous l'ai dit, le niveau est très élevé lors de la Dwight Cup. Hein. Très, très, très élevé. Fais gaffe à ça, grand. Tous les joueurs peuvent nous monter faire des choses incroyables et du coup, ça donne des situations comme ça. Donne-moi, ouais. Pauvre Nate hein, avec le pad, c'est compliqué, mais effectivement, il avait senti qu'il allait pas pouvoir aller plus loin. Je vois Bat Sniper se faire allumer en bas. KZR aussi. Robabs qui va sûrement suivre. Robabs qui veut essayer de sauver le copain. Robabs, le frère. Qui donne tout pour ramener 4ZR parmi les survivants et la Storm Surge qui refait son apparition alors que regardez cette colline va devoir être franchie alors que je suis en train de me faire attaquer par un sale moustique. Je vais te démonter. C'est pas le moment. C'est pas le moment, laisse-moi tranquille. Il a réanimé Robabs. Il a réanimé, c'est fait. EMXR qui essaye de passer par les airs avec ma gueule. Suivi de Snazy un petit peu plus loin. Comment va-t-il atterrir? Le petit Snazy, tout va bien. Il est en place. Moi, je suis archi bien là-dessus. Ok, nice. Kazader Robabs, j'ai des gamins qui j'ai des gens en squat. Je suis en train de rotter. Et on passe côté Snazy. Ouais, je suis avec toi. Vas-y. On est en zone, c'est bon. J'ai assez de choses à gérer là, pour gérer du moustique en plus. 300. Attention. La zone elle repart à gauche en N1. Allez, il a la bonne pause, Snazy. Il faut appuyer avec Whitney. J'ai les fiches. Regarde en bas, ça se passe. C'est bon ça, il gère vachement bien l'expérience encore une fois. J'ai le mur. Regardez comme c'est très très resserré. Mort. Même si vous avez Nikop et Airwax très large au-dessus, Snazy qui vient de prendre un kill supplémentaire. Snazy qui va essayer de sortir. Snazy qui va essayer de sortir. Si tu veux bien sur moi, on est bien. 24 HP pour toi. Pas mort, mais il me faut des poissons, c'est ça. Non, j'ai pas. Trouve le plus dans le mal aussi. Passe. Tu viens sur moi. Ça passe, il a pas le temps d'occuper des armes. Là, il doit prendre de l'avance au niveau du positionnement. Matin. 24 HP, il est encore dedans. Il est encore dedans, Snazy. On reviendra peut-être sur lui plus tard. Pour l'instant, qu'est-ce qui passe dans la mêlée? Je vois des coups de grappin de la part de One Last. Je vois justement Virus qui vient de se faire allumer à son tour. Airwax qui en profite avec sa top hauteur pour le moment. Allons voir justement EMXR et Magul qui sont très très proactifs hein, dans ce late game avec 5 kills déjà confirmés pour cette duo. Et je pense qu'ils en ont pas fini. Encore. Donc c'est une opportunité là justement. Je suis bien. Il s'est pas allumé derrière, ouais. Du coup, ma gueule qui est. Oh, ma gueule! Nice. Ma gueule qui profite! Il va pas pouvoir réa par contre, hein. Il est pas bête. Ouais, il est pas bête. Ma gueule!
Non, il prendra pas le deuxième duel, il va essayer. Ah, il y a un mec derrière toi. Oh, j'ai peur avec son truc. Oh là, il préfère relâcher un peu de distance pour pas justement être dans le focus. Regardez, hein. Regardez cette colline comme elle va être problématique, probable. Que vous voyez en plein milieu de l'écran qui va tomber lui aussi. Ma gueule qui est déjà en place, vous avez vu, avec son petit coup d'avance. Nikoff Airwax qui reste en top hauteur. On va repasser justement sur les deux pépites Solari. Vitality. Excusez-moi. Ce sont des choses qui arrivent. Nikoff Airwax, top hauteur. Bien en place. Il y a plein de mecs dans les poissons. Ouais. J'ai des poissons, je vais rester un peu. Allez, c'est leur moment. Normalement, ils ont l'habitude de gérer ce genre de situation. Non. Ils sont expérimentés. Ça monte. C'est pas la première fois pour eux. Faut juste la défense et d'auteur. Et c'est roi, c'est sa spécialité. Voilà. On l'a calmé. Il a le grappin, je le prends. Grappin récupéré en plus pour Nikoff. Pour remettre des potes. Ma gueule en bas. 2v1. Mesdames et messieurs, Nikoff et Airwax devraient normalement s'imposer sauf grosse surprise de ma gueule. Tu peux tempo. Déjà 3 kills, potentiellement 4. Alors après 14 points. Airwax qui va assumer en premier pour l'instant. Il va pas se précipiter, il n'y a aucun intérêt. Et donc vous avez vu que ma gueule, il a été très malin de. Ouais, bien joué. Il a été très malin de temporiser ma gueule. Je les gars. Et ça leur permet justement de prendre le top 1, Airwax et Nikoff, actuellement à l'écran. Et ils continuent, voilà, même après la game, on continue de train un peu. Ils ont raison. Ah, les grappins. Ils avaient plus de balles derrière, gros. Le mec en haut, il rendait fou. Gros, j'ai pas Nikoff 300 balles, frère. C'est que grappin, c'est vol, moi. Ouais, j'ai vu. Moi aussi, j'étais en train de grappin. On a pas le même grappin, hein, mais. Il va rester une game, mesdames et messieurs, pour vibrer une dernière fois dans cette édition de la Dwag Cup. Allez, la win, effectivement, pour Nikoff et Airwax, mérité, avec du contrôle. Hein. Clairement, depuis qu'ils ont eu la hauteur, on les a pas sentis une seule fois en difficulté. Même quand ils ont été contestés, il y a eu une très belle réaction des deux joueurs qui se sont totalement focalisés là-dessus. Rien à dire, de toute façon, on n'est pas surpris hein, qu'ils savent gérer ce genre de situation. Au contraire, Airwax avait été l'un des premiers francophones à carrément expliquer au monde comment ça marchait. Donc bien joué, rien à dire. Maintenant, est-ce que ça va leur permettre de prendre beaucoup de points? Je trouve qu'il y avait quand même peu de kills malgré tout, parce qu'ils avaient la top hauteur depuis longtemps. Maintenant, on l'a vu que les joueurs ont tellement pris l'habitude de se protéger de la top hauteur. Que bah, tous les kills sont faits dans la mêlée et pas en haut. Donc, enfin, pas par ceux qui sont en haut. Donc, c'est un peu normal, j'ai envie de dire. Maintenant, je pense qu'ils avaient aussi beaucoup de points de retard. On va voir. Ça se trouve, ils vont remonter dans le top 5. Tout est possible. Vraiment, tout est possible avec une game à plus de 10 points. On va voir ça dans quelques instants. J'attends le classement. La game 6 qui va se lancer dans quelques secondes, dans quelques minutes à peine. Hein. On a même pas le temps de savourer l'entre-game, de débrief. Mais je vois le chat très, très animé. Je vois des belles pluies de GG, peu importe qui gagne, etc. Je suis très content de voir que vous avez réussi à voilà, mettre parfois votre petite appréciation personnelle. Parce que forcément, vous avez des joueurs favoris, des structures favorites, etc. Bah, je suis très content de voir que malgré tout, vous récompensez le beau jeu. Quand quelqu'un d'une structure que forcément vous suivez ou que vous encouragez pas gagne, vous êtes là à dire GG, etc. Ça me fait très plaisir, ça montre qu'il y a de la maturité dans cette communauté francophone, déjà par les joueurs et l'intelligence qu'ils ont à tout donner hein, dans ce genre de compétition, parce que bah, ça leur permettra aussi à eux de prendre plus de hype, de prendre plus d'expérience, de grandir, et surtout bah, de la part de la communauté qui arrive maintenant à justement soutenir les joueurs que vous avez envie de soutenir, sans être irrespectueux envers les autres. Et moi, c'est compliqué pour moi, parce que je suis l'un des seuls mecs qui unifie tout le monde, donc je me dis, j'ai peur à chaque fois de me dire mais mon chat ça va être un bordel, ils vont tous, alors que pas du tout. À chaque fois vous m'avez impressionné durant cette Dwag Cup, je tiens à le préciser, vous m'avez même moi surpris en me disant bah on a la même passion, ça se ressent quoi, on a clairement la même passion. Classement à jour mesdames et messieurs, et un classement, oh mon dieu. Non, no joke, non mec, je n'ai rien à dire. Regardez du top 1 au top 7. Non mais est-ce qu'on pouvait rêver mieux mec? On dirait que c'est scripté. Non mais regardez gros. 41, 40, 39, 38, 37, 37, 36, 34. On pouvait pas rêver mieux. Il reste une game. Énormément de prétendants au titre. On peut pas rêver mieux. Je pense que en dessous du top 7. Même non, allez, on peut mettre Maison et Albrecht dedans. Oh, putain, ça. Faut que je le bute lui. Il va me dire ah non tu m'attends, je vais peut-être faire une pause. On va peut-être faire une pause rapide. Il est big. Non il va me perturber. Non impossible. Personne ne viendra me déranger pendant ma grande finale là. Attendez. Mais je peux pas le tuer avec mes mains. Il me fait peur. Il vient de passer derrière le fond vert. Ah je le vois. Faut juste qu'il se pose. Attendez. Putain il a disparu. 2 secondes. Problème technique. Problème technique, mince, on retarde la dernière game dans quelques secondes, hein. Problème technique bien sûr. Hein. Genre dès que j'ai l'impression que mec il est, no joke, il est connecté au live, dès que j'ai mis l'écran de pause, il disparaît. Putain, c'est pas grave, je vais vivre avec la nature pendant quelques instants. Bon, reconcentre-nous là, il me déconcentre. Donc remets ton classement, excusez-moi, parce que là c'est important ce qui... classement. Alors, Snazy, Withzip actuellement premier avec 41 points. Mesdames et messieurs, deuxième place pour Deciptos et Nauka qui peuvent totalement aller chercher cette Dwag Cup. Pareil pour Blackie et Sky, 39 points. Alors que je rappelle, cette duo existe depuis très peu de temps. Mais comme je vous l'ai dit, quand vous trouvez le bon duo, que l'alchimie qui
qui se met vite en place. Ça se ressent au niveau des résultats très rapidement. Floki, Sundeli, 38 points. Yoda Hulk, 37. Hein, très, très actif. Alors que je vous rappelle, ils avaient la première place juste avant. Alpha Blaster, qui aussi ont beaucoup traîné dans le haut du classement. Actuellement en course pour la victoire avec 37 points. Maguel et EMXR, qu'on a vu, hein, très, très actif sur leur duel. 36. 34 points pour Maison Albrecht. Je vous laisse une dernière fois regarder un petit peu le tout. Je vois 30 points pour Airwax et Nikov. Je vous relaisse une dernière fois checker tout ça. La game 6 va se lancer dans quelques instants. Et ça sera la fin pour cette édition de la Dua Cup. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas de joueuse à quand une Dua Cup féminine. Bah, la Dua Cup est techniquement ouverte à tout le monde. Hein. Clairement, on ne fait pas du tout de différenciation à ce niveau-là. Il faut qu'elles arrivent à s'entraîner aussi durement, qu'elles arrivent à performer aussi facilement que, justement, les hommes pour l'instant en Coupe européenne. Et elles auront totalement leur invitation comme tout le monde. Hein. Vraiment, c'est ouvert à toute plateforme. Parce qu'il y en a plein qui disaient, ouais, à quand une Dua Cup console actuellement, si un joueur play performe. Le problème, c'est qu'actuellement, j'ai l'impression que Fortnite va créer deux scènes différentes, alors qu'avant, les scènes étaient quand même mélangées. Il y a forcément des raisons à ça. Moi, je les comprends aussi. Mais je voulais pas, moi, à la base, faire ça. Je voulais pas faire. Vous imaginez par semaine, t'as une Dua Cup masculine, une Dua Cup féminine, une Dua Cup console, une Dua Cup mobile, on en peut plus. Genre, au bout d'un moment, ah, vous dites la vérité, on n'en peut plus. Donc, je peux comprendre à chaque fois qu'individuellement, chacun a envie d'avoir sa chance et sa Dua Cup. Mais justement, moi, je voulais un truc qui réunissait tout le monde. Et moi, j'ai trop hâte. Hein. Vous avez vu qu'on avait beaucoup soutenu au tout début toutes les filles qui se lançaient dans l'e-sport, qui essayaient de performer, et c'est très très dur, hein, de manière générale, parce que bah forcément il y a une question de pourcentage. Il y a tellement d'hommes qui jouent actuellement que forcément l'élite parmi les hommes se fait très vite trouver, alors que s'il y avait autant de femmes qui jouaient, je pense qu'il y aurait quasiment autant de femmes qualifiées à Mad Cup, hein, clairement. Je pense vraiment que c'est une question de pourcentage de joueurs ou de personnes qui s'investissent autant sur le jeu. Je pense que c'est clairement ça, hein. Pour moi, il y a pas du tout, maintenant ça y est, c'est fini ça, hein, le délire de entre guillemets elle joue moins que les mecs. Non, je pense que c'est fini. Vous avez des meufs qui sont tout autant gameuses et qui le font tout aussi bien. C'est juste qu'il en faut de plus en plus pour justement trouver les pépites. Ça va se lancer, hein. On est parti pour la game 6, ça y est, tout le monde est prêt. Est-ce que vous êtes prêts, vous, chez vous? C'est maintenant. Actuellement, je vous l'ai dit, premier au classement, c'est Snazy et justement YZip. On va passer sur eux parce qu'ils le savent, hein, l'attente entre la game 5 et la game 6 a été assez longue pour que justement ils prennent l'information. Snazy et YZip actuellement devant tout le monde, mais il va falloir le rester. Game numéro 6 de cette Dua Cup. Vous avez à l'écran ceux qui sont premiers actuellement avec 41 points. Un seul point d'avance sur Deshipto, c'est Nauka. Je rappelle que 39 points Blacky Sky, 38 points Floki Sundeli. Ensuite, vous avez deux équipes à 37 points, Yoda Hulk et Trainard Alpha, Trainard Blaster. Lama directement offert pour Snazy pour la game 6. Ça commence. Je vais essayer de te hold si je chope une air, ouais. Alors que là, vous allez voir qu'il va y avoir des morts dans la barre des speed. Mais nous, on va se concentrer principalement sur les équipes du top 10. Ah ouais. On va vraiment focus à fond sur le top 10, nous, de notre côté. Je suis honnête avec vous pour la game dernière game, parce qu'il va y avoir une guerre stratégique, regardez la barre des feeds et tout. Je vais choper dessus, moi. Bon, du coup, j'ai un pad, j'ai une PM, là. Ok. Ouais, je t'attends, hein, je vais roter avec toi. Ça va pour eux, hein, ils seront pas inquiets. En plus de ça, justement, le petit lama qui met très très bien. Allons voir un petit tour du côté de... Oh, pop. Alors qu'eux, ils sont en course aussi, hein. Ma gueule et EMXR, là, je le vois très low life. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous rappelle qu'ils sont 7e actuellement au classement. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est les bots? Est-ce qu'il y a eu d'autres problèmes? Bah, FM, vas-y, je vais mettre les bandages, je vais pas me... Tu mets t'as du shield. Mais je garde... Mais non, je vais mettre des minis, frère, sinon on va oublier une grosse fois. Ouais, ils ont l'air d'être engagés dans un combat là, avec des gens qui en ont profité pour les allumer de loin. EMXR qui va récupérer le double gun. Pour justement pouvoir remonter lui aussi sa barre de points de vie comme il faut, récupérer aussi le coffre. Faut pas mourir, dès que tu meurs, tu n'as plus de chance de l'emporter, clairement. Blax qui vient de tomber à son tour. Alors que là, il y a un fight qui s'engage avec justement Bad Sniper dans l'action. Bad Sniper en plein dans la mêlée là. 1v2 je crois, parce... non 1v1 parce qu'il a déjà un kill aussi confirmé. Mais il y a une autre duo en fait, c'est ça qui me perturbait. Il y a une autre duo qui est en train d'arriver. 1v1 face à One Last, mais les deux autres derrière là, voilà, ils sont là. Bien joué, il y a un gros. Il a un ranked, oublie pas. 2 kills validés pour Bad. Maintenant, beaucoup de shield récupéré en plus. Mais c'est loin d'être fini à Lazy. Hein. Ouais, je sais. Justement avec Wipo et YV, justement auteur de Lazy. One Last qui a l'air de continuer de chercher Bad Sniper, mais même lui, voilà, ils vont essayer de se faire oublier tous les deux. Ça va se calmer un peu, ça va être une guerre des nerfs, une guerre de patience. Et en attendant, ça se fight ici, du côté de Hunter et Markot. Ça se fight de manière très engagée. Regardez comme ils sont côte à côte, hein, bien soudés tous les deux. Mais il y a combien de mecs là? Mais il y a combien de mecs? Bah non, il y a des bots, il y a des... Okay.
Il y a soit des bots, soit des leurres là, mais il y a trop d'éléments. T'es où? Bah sniper qui a tombé one là, c'est l'information qu'on vient de prendre à Lazy Lake, rappelez-vous. Mais du coup il a dû faire du bruit, il va peut-être faire attirer par les deux autres. Ouais non sur moi, les deux sont au-dessus de moi. Attends, il y a Hunter qui vient de tomber. Marcon qui tombe aussi, c'est terminé pour eux, pour la Dwight Cup, ça y est. C'est le problème avec ce genre de gros duel en early, c'est que ça peut être décisif. Et c'est Zayn et Lou Boys qui en sortent récompensés clairement, alors qu'il y a encore un fight ici du côté de XOXO Attack, hein, on le connaît ce fameux fight, toujours à Craggy. Et c'est la meilleure danse du côté de XOXO qui l'emportait avec Attack, une fois de plus j'ai envie de dire. Ouais, c'est pas la même. Ouais, faut gaffe à ma gueule. Mais en tout cas, à Craggy, il y a eu une vraie guerre hein, entre deux duos depuis le début de la soirée. Et rappelez-vous, hein, juste après. Ça a été assez équitable hein, de ce qu'on entend. Même eux se disent qu'ils auraient dû faire ça plus tôt. Mais rappelez-vous ce qui s'était passé juste après. On avait eu l'arrivée de ma gueule et de EMXR. Est-ce qu'ils sont. Non, mais là, ils sont dans d'autres problèmes. Hein. Là, ils sont clairement dans d'autres problèmes. Donc, ils vont pas chercher à intervenir tout de suite. Quand vous voyez la map, justement, regardez, ils sont au yacht actuellement. Donc, leur rotation par Craggy va pas se faire cette fois-ci. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour les deux joueurs. Il y a un fight là qui s'engage du côté de Weeper. Bah Sniper toujours caché, il joue la patience un maximum. Weepo à l'écran qui lui par contre ne peut plus se cacher. Bah Sniper qui s'est engagé aussi hein. Bah Sniper qui s'est clairement engagé aussi. Alors qu'ils sont face à encore une fois une duo. J'ai l'impression qu'à Lazy Lake, à chaque fois que tu tues une équipe, il y a une nouvelle équipe qui passe par là. Après là elle a l'air d'être juste de passage hein. Ils sont pas insistants, Virus et Blaze, pas du tout insistants. Andilex qui débloque aussi son kill. Alors que Podasai lui aussi est en fight face à Breizu avec un orc qui est en train d'arriver pour soutenir le copain. Andilex et Nate, on les a mis un peu de côté parce qu'ils sont un peu bas au classement. Mais attention, on n'est jamais à l'abri qu'ils sortent la game de leur vie. Ça reste deux joueurs très compétitifs, très expérimentés. Et la preuve. Alors qu'on va finir quand même ce fight avec Podasai et Orc organisé face à Breizu. Ils sont normalement. Oh attention, parce que l'orc vient prendre une sale balle. Attention à Breizu qui pourrait faire un miracle. Attention à Breizu qui pourrait faire un miracle. 1v1 face à Podasai, non c'est bon, alors qu'on revient maintenant directement sur Antilex et Nate. Heureusement, hein, Orc et Podasai vont pouvoir se réanimer. Nice. Antilex, Nate, 2 kills déjà confirmés, ils sont encore une fois dans un nouveau fight où il y a... Ça part en BF là. Il y a du monde. Ouais, hein. Je remonte de l'autre côté. Ça part en BF, effectivement. Ils sont au-dessus de moi. Vas-y, go. J'y vais. Et t'as un HP sur le toit. Nice. Et il va finir le travail. Quelle organisation. J'arrive. Quelle organisation. Et regardez Antilex. C'est son moment. C'est là qu'on reconnaît les grands joueurs. Être capable de sortir les bons moves dans les moments les plus difficiles. Et ils ont un free pass derrière s'ils le finissent. Free kill. Allez. Et ça passe. Ça fait 4 kills pour cette duo qui a... Ça y est, qui commence à dégainer. On a déjà 4 kills, allez. Commence à dégainer clairement. Petit tour du côté de Airwax Nikov qui pour l'instant sont très tranquilles en train de pêcher. Comme quoi chacun ses problèmes. Et ça repart en bullfight, on me dit là-bas. Justement sur le numéro 2 avec les dual media, Start et Snipe. Ils font face à Nesty. Nesty 1v2 face à Start. Non 1v1 pardon. Vu qu'il y en a un de chaque côté qui est déjà down. Ça va très vite hein. Oh là 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 là, ça va très vite. Attention, faut être malin, pas oublier le combat, bien récupérer ce qu'il y a à récupérer. Oula, t'es tout dans ces builds gros. C'est une strat. Et ça va se finir ici. T'es une strat, tranquille. Nesty qui a pas l'air d'avoir envie d'en découdre concrètement, ou il attend peut-être l'erreur. Il le joue à la patience. Ça marche pas. Allez, on va les laisser tranquilles et le chat veut voir un peu ce qui se passe à la grotte. On a X-Wiz et Edward, toujours dans cette situation là, late, justement avec Draclure, ici tranquille. Après, voilà, là on a vraiment deux équipes, les amis, qui au classement sont pas très bien positionnées, mais je peux comprendre. Hein, vous avez peut-être envie de faire un petit coucou à Noward. 0 kill pour Noward, 1 kill pour X-Wiz et Draclure qui lui a un seul kill. On va les laisser tranquille, hein, vraiment le focus n'est pas du tout ici pour la game numéro 6. Comprenez qu'on va rester concentré sur ceux qui peuvent clairement gagner la Dwight Cup là. Et pour l'instant avec les Didio qui sont dans le top 10 et aussi peut-être Nate en delay qui sont peut-être capables de sortir la game à 15-20 kills hein, qui pourraient créer la surprise. On est jamais à l'abri. Balconly, Zanku, eux, Frenzy Farm, hein, très animé, hein, regardez, hein, très animé Frenzy. Entoura qui ont la top hauteur justement de cet endroit. Le chat, je vous invite vraiment à vous concentrer sur ce qui se passe. Hein. Parce que à part marquer des pseudos, là, vous ne faites rien le chat, mais je comprends votre envie justement de voir le joueur de votre choix, mais dites-vous qu'on ne fait rien au hasard. Allez, Anthorax Sextiz, qui sont en top hauteur, Blaster Alpha, qui je vous rappelle eux aussi, hein, sont encore dans la course à la compétition, doivent pas faire d'erreur, ils vont se cacher dans les champs de blé, histoire d'éviter de claquer trop de construction. Sur l'hashtag aussi ça réagit hein, avec des arguments cette fois-ci. Cette Dwight Cup est tellement intense, je sue du caleçon et je n'imagine même pas les joueurs pro. Clairement, t'as tout dit mon pote, là les joueurs pro ça doit être tellement dur parce que la moindre décision, la micro-erreur, ça serait terrible pour eux.
TMC qui vient tomber face à Keyboard dans la barre des feeds, c'est vu. On a un petit plan large histoire de voir un petit peu qui est positionné où, alors que pour l'instant Blaster et Alpha sont recherchés par les balles de snipe. C'est, tu vois, c'est là vous voyez la situation, hein. Ça essaie de se repositionner. Là, il y a quelques équipes qui sont déjà en sécurité. Et là, moi, je voyais surtout Alpha et Blaster dans une situation où la moindre balle dans Thorac, et on le connaît à quel point il peut être précis avec son sniper lourd, la moindre balle dans Thorac, ça peut être rip pour le tournoi. Et tout ce que tu as fait sur les 5 games, oublié, annulé, brisé. Alors que là, il a l'air d'être inspiré. On écoute en Thorac. 1, go. Touché sur 14, les deux. Oh bah si, la roquette qui a touché finalement avec un très bon timing. Hein. Barrette, Bazook, qu'on connaît maintenant très bien. Toi, justement. Je pense qu'on a mêlé pour pas laisser les joueurs se remettre. Par contre, attention. Il faut savoir de quel côté regarder. Faut vite y aller maintenant. Faut pas perdre trop de temps. Attention. Ça va se retourner peut-être contre Falcon Lee. Non, il y en a 9 HP, gros. Ça se retourne contre cet assaut un petit peu rapide. Alors qu'ils avaient fait le Barrette roquette parfait. Ils vont s'en vouloir clairement là-dessus. Aïe. Ah, ils vont s'en vouloir, je pense. Et très belle réaction justement de la part de leur adversaire. La Thompson, hein, effectivement. Toujours aussi pertinente hein, dans ce genre de moment. Allez mon chouchou, Podasai. Sinon GL pour les autres. C'est passé mon pote. Ouh, j'ai cru que j'avais eu un bon feeling là sur No War. Parce qu'il est sniper lourd, prêt à fumer Gogos et Q-Kane. Ça n'a pas touché. Toujours les repositionnements stratégiques. 59 restants en vie. Hein. 59 survivants, mesdames et messieurs. On va faire un petit point sur un peu tous ceux qui sont top classement. En commençant par les premiers qui sont actuellement ici. Première position, Snazy, Wizzy, en zone. Tout va bien pour eux. Deuxième position, on est sur Deschiptos et Nauka. Tous les deux en vie, en zone. Tout va bien pour eux. Troisième position, Skite et Blackie en zone, en vie, avec un très beau stuff, hein, on peut... Ouh, mesdames et messieurs, comme ça vous pouvez vous faire une idée, qu'est-ce que vous allez voir gagner, etc. Parce que là, là on est quand même très bien stuffé, hein, du côté de ces messieurs. Quatrième position, Floki et Sundaily, toujours en vie. Cinquième, je vous dis, c'est une game de contrôle. Tous ceux qui sont dans le top 10 ont aucun intérêt à jouer trop tôt. Ils ont juste à contrôle, à attendre le late game, et à partir de là, c'est là que tout va se débloquer. Cinquième position, Hulk et Yoda. Pareil, tous les deux en vie, pas dans la zone. Attention, pas dans la zone. Donc c'est une vraie différence avec tous les autres pour l'instant. Ils sont les plus vulnérables. Ça passe par derrière, malheureusement. Ils ont pas pu aller directement dans la zone, ils ont été obligés de contourner. On va les écouter. Parce que par j'ai peur qu'on se fasse bloquer après. On va sûrement se prendre des petites balles. C'est pas le moment de tomber. Ouais. Là c'est terrible, non. Là tu meurs, t'es un PC quoi. Il y a des mecs dans le gauche, parce que dites-vous qu'il y a eu des qualifications, il y a eu de l'attente, il y a du cash price. En plus, tu démarres bien ta compète, donc t'y crois. Vas-y, pour au final te faire laver avant même le top 10 et tu remballes quoi. Donc la chute peut être terrible. Ils sont pas encore en zone, mais on va continuer de faire notre petit tour de la situation. Sixième, Alpha et Blaster, eux aussi sont pas encore en zone. Ils sont contact avec Hulk et Yoda. Regardez, deux équipes prétendantes au titre qui sont en face à face là. Ils pourraient en profiter, Alpha. Il a envie d'en profiter, je pense. Attention, à 3, 2, c'est un moment important. Un. Ils ont pas tiré sur le même. Je suis un boom de merde. Ouais, ils ont pas tiré sur le même. J'ai mis 63. Après, ils ont quand même pris des dégâts pour la Storm au cas où. Mais ils ont pas tiré sur le même. On continue notre petit tour des équipes. On était sur les 6e. On passe sur les 7e avec EMXR et Maguel. On a perdu Maguel. Donc EMXR est pour l'instant le seul solo de ce top 10 avec 7 HP. Ça paraît techniquement compliqué pour cette duo-là actuellement au compteur. On continue avec la 8e position et Albrecht et Maizen qui, eux, peuvent encore y croire. Deux vivants, très bien stuffé niveau poisson. Pas des pompes les plus incroyables, mais ils ont ce qu'il faut pour envisager les games. Une très bonne position aussi. Maintenant, à voir si les zones seront clémentes avec eux. Oh, attention, parce que voilà, il y a Andilek Next là-bas qui, eux, sont les deux joueurs, on va dire, incontrôlables parce qu'ils ont besoin de faire des kills. Donc, ils sont capables de prendre n'importe quel fight n'importe quand. On va finir avec la 9e position, justement, du côté de Airwax et Nikov. Tous les deux debout, tous les deux en vie. Ils peuvent totalement l'emporter ce soir. Va falloir sortir un gros late game et c'est leur spécialité. Donc déjà, il va falloir y arriver au late game. Et on termine avec la 10e position de ce petit tour un petit peu des top teams du moment avec Jords et Demstick. Même si on attend d'abord d'avoir la fin de fight avec justement le premier qui est débloqué par Nikov Airwax. On écoute. Tu peux finir, John. On se fait full, faudrait qu'on avance sur eux. Hein. Allez, libérons le chat, les amis. J'ai envie de retrouver mon chat pour vivre cette game avec vous. Vous me manquez clairement, mais voilà, contenez-vous. Je vous ai fait exprès un tour des équipes à suivre pour que vous puissiez avoir toutes les situations intéressantes en tête. Tu fais gaffe. Donc, revenez. J'ai besoin de vous. On vit ça ensemble, bordel. Oh oui, ils sont de retour. Yes, ils sont là. Je crois qu'ils dansent tous ce con. Allez, on reste concentrés. Parce que voilà, nous on rigole, mais eux, c'est moins marrant. Allez, on finit quand même sur la 10ème place avec. Oh, Demstick et Jorts qui sont tombés. Donc les 10ème, eux, c'est derrière. J'ai un peu noir et un barrage que j'ai fait. Revenons du coup sur Nikov Airwax qui était en plein dans l'action. Regardez, hein, regardez la zone. Hein.
Eux ils sont pas dedans et surtout qu'il y a une grosse mêlée, ça va être compliqué de sortir de là. Ouais, je crois qu'il est. Faut qu'on se barre. Vas-y, bah, il veut barrer en ouest, non? Pad ouais, ça, non, ça y va à pied. Oh là là. Regardez en attendant le plan large. Regardez, il y a encore beaucoup d'espace pour pas beaucoup de duos. Il reste 28 duos sur 48. 51 joueurs, je pense que c'est la game la moins stack. C'est normal, c'est la 6ème. Beaucoup d'équipes ont dû la jouer très très agressive. Celle-ci. Oh, qu'est-ce qu'il fait, Wax? Oh, il fait le choix de passer par vraiment tout en bas pour aller mettre un petit coup de pêche. Oui, ça se consomme direct, ça. Bien sûr, monsieur. Par contre, ils ont perdu. Oh là là, qu'est-ce que vous en pensez là, cette position, le chat? Regardez, Waxnikov, les seuls à être en contrebas. Alors que c'est vrai qu'au moins, la tension est plutôt là-haut. Risqué comme move. Très risqué comme move. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais ça pourra peut-être. Après, ils savent ce qu'ils font. Hein. Comme je dis, c'est eux les joueurs pros. Allons faire un petit tour aussi du côté de Nate. Justement, ils sont morts, Nate. Je crois qu'ils sont dead, non? Je crois qu'on a perdu Nate et en direct, non? Pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est le cas. Hein. On va voir si on les retrouve, mais je ne les vois pas dans ma vision. C'est fort possible qu'on les ait perdus, malheureusement. Après, eux, comme je vous dis, ils devaient jouer plutôt agressif. Après, pour l'instant, c'est pas une info confirmée. Pour l'instant, ce n'est pas une info confirmée. Mais ça peut être une information intéressante à avoir. Parce que eux, comme je vous l'ai dit, ils sont imprévisibles, contrairement aux autres. Donc, je attaque. Justement, ils sont en train d'attaquer. Max Alibu au SPK, hein, qu'on n'a malheureusement pas trop vu briller ce soir, mais qui ont quand même fait un très beau parcours. Ils sont dans les environs. Regardez-moi ça. Et ça y est, la nouvelle est tombée, mesdames et messieurs. Nate et Andilex sont debout. Voilà, je vous l'avais dit, l'info n'était pas confirmée. Regardez, ils sont déjà à 9 kills. Mesdames et messieurs, rendez-vous compte de ce qu'ils sont en train de produire en finale. Non, allez ça. 10 kills, 9 kills. Maintenant, non, 10 kills validés pour Nate et Andilex. Je vous l'ai dit, ils sont imprévisibles. Ils sont pas morts et au-delà de pas être morts, ils sont en train de laver le lobby. 10 kills pour le moment. Il reste 42 joueurs en face. Y a des colliers dessus, go. Il y a des mecs qui arrivent, on les fight instant. Mais bien sûr, ils ont plus le choix. De toute façon, il leur faut des points. J'ai pris un pont. Je vous rappelle qu'au classement, ils étaient 13ème. Hein. S'ils l'emportent alors qu'ils sont 13ème avant dernière game, dommage. Ça sera du jamais vu, hein, clairement. Le cogneau, tu donc, eux, malgré tout, malgré qu'ils sont pas dans le top 10, on va les garder d'un coin d'œil. Parce que. Parce qu'il y a moyen qu'ils fassent un énorme exploit ce soir. Ouais, tu fous le match, je suis trop bien. Allez, faut pas stresser, faut rester focus. Oh, j'ai vu un Skite dans la mêlée, justement. Skite aussi, je vous rappelle qu'il joue la victoire, qui est très bien sauté pour le late game. Mais encore, il faut pouvoir y parvenir. Attention à pas stresser. Voilà, laissez plutôt les autres s'affronter ensemble. Eux, ils ont pas vraiment besoin de s'en mêler, si ce n'est ramasser ce qu'ils peuvent ramasser. Nikop Airwax très loin, qui essaye aussi de se repositionner. C'est le moment compliqué, hein. C'est le moment compliqué parce qu'en fait, il y a deux packs. T'as le pack qui est déjà dans la future zone et le pack qui doit y rentrer. Donc là c'est le moment le plus stratégique. Et vu que personne veut vraiment prendre de fight, ça rend la situation compliquée. Nikov qui va tomber. Nikov au sol. Pas safe, je pense. Nikov totalement au sol. Attends, je vais pas revenir sur toi. Oh, Airwax, tu veux pas abandonner le copain? Que tout le monde lève les mains. Donnez votre énergie. V for victory. C'est le moment. T'as des poissons? Ouais, j'ai. Nikov est de retour. Putain, pote, mat. Nikov est de retour. Tout le monde peut y croire à nouveau. Regardez ce late game qui pour l'instant est en train de se mettre en place avec Squall, qui a pris la hauteur. Kyria milieu de positionnement qui est en train de se faire bazooker, qui a été obligé de tomber. Un bad sniper en dessous en numéro 44 qui est pour l'instant isolé de son côté. Attention, on repasse rapidement sur Nate en direct avec Nate en grosse difficulté. Il vient de prendre une sale balle de bon contact. Pourtant il a le meilleur stuff, hein, vu qu'ils ont fait plein de fights, ils ont pu à chaque fois optimiser leur stuff par rapport à leur kill. C'est pas fini pour eux, mais ils sont obligés de continuer de faire de belles choses. Et ils en sont capables. Il femme. Oh, 2300, ouais. 2700 au dessus. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu autant de dégâts de la part d'une équipe en Dwight Cup, hein. En direct. Ils n'iront pas plus loin. Malheureusement, ils n'iront pas plus loin. On veut pas, mais. Aïe. Ils auront quand même fait une énorme dernière game. On verra si au niveau du compteur ça suffit, mais je ne pense pas. Mais ils auront fait quand même une énorme dernière game. Je compte sur vous pour les laisser partir sur une pluie d'applaudissements. Parce que de taper plus de 10 kills avant le late game en Dwight Cup, vraiment c'est pas facile. Vraiment il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire ça. Regardez-moi cette zone. Robam et KZR ont la top hauteur actuellement, mais ils ne sont pour l'instant pas dangereux au classement. Et c'est Sky qui en profite pour essayer de déloger. Sky qui veut la récupérer, cette top hauteur. Les gars, tiens, je te suis. Non, Sky derrière toi. Oh non, je pense... bah je suis en manette. Quelqu'un. Blackie, c'est le meilleur gros, t'es un monstre. Blackie qui peut peut-être espérer Oh là là, le problème c'est eux qui sont en effectivement. Faut pas s'enfermer sur le high ground. Je les fiche.
Snaze est encore dans la mêlée. Snaze est encore dans la mêlée. Il est là. C'est un putain de monstre. Il est premier, mesdames et messieurs. C'est plutôt lui qui va avoir le focus pour l'instant parce qu'ils ont la première place temporairement. Snaze qui a juste à rester vivant. Et qui en même temps n'hésite pas à lâcher des rafales alors qu'il a un pauvre chasseur gris, frère. Snaze, cover toi. T'as plus de bill. 25 000 $ pour l'équipe qui sera vainqueur de cette World Cup. Snaze qui est actuellement premier avec 41 points, 1 point d'avance sur des Shiftos et Nauka. Oh, il est de dos. La zone n'avance pas derrière toi, en sud. Snaze qui doit pas faire une seule bavure, une seule erreur. Contact, Yoda. Snaze face à Yoda. Et c'est la victoire de Snaze. Faut que t'aies en zone. Oh, il est coincé. Oh, il termine ça. Oh, aïe, 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 aïe. On verra pour les comptes, on verra pour les comptes. Squall qui a la top hauteur actuellement. Qui reste-t-il? Blacky pour la team de Sky. Blacky qui peut encore y croire. Blacky qui peut encore y croire s'il gagne le duel, il a le top hauteur. Blacky qui est en train de faire un exploit en solo. Blacky qui doit en descendre. C'est pas grave, chill, t'as le top 3. T'es 1v2v1. Blacky, mets-toi une mini tranquille, t'as 150 de maths, ça revient. Essaye de spam le bas, essaye de spam le bas. Il reste qui? Reste Blocky, il reste Sundeli. Et toi, t'as pas je n'ai plus aucun compte, j'ai tout perdu, j'ai tout sans oublié complètement. Comment je tremble sa mère. Allez. On peut pas trembler, c'est normal. Tu peux les deviner. Regardez le gars qui donne le ton qu'il faut, qui lui donne de la confiance. S'il fait le top 1, c'est potentiellement la victoire de la World Cup. Faudra vérifier avec les compteurs. Oh, il prend les roquettes, il prend les roquettes, c'est spam. Je l'ai. Spam les maintenant. Tu dois les spam. Faut vraiment. Faut pas stresser. Ça touche pas pour l'instant. Il a encore beaucoup de roquettes. Il a encore quelques maths, pas énormément mais 150. Vas-y, spam-les. Vous avez vu le risque qu'il prend, c'est parce qu'il sait qu'il n'y a pas le choix. Spam-les plus à gauche, là ouais. Attention ouais. Parce qu'ils vont essayer de le faire descendre, effectivement. Ça revient derrière toi. Oh là 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 là. Oh, il se... Oh, 1v2, hein, je vous oh, rappelle. 130, t'as tué un. Nice. C'est toi le meilleur jeu du monde. Qui sort le meilleur clutch de la World Cup lors de la dernière game. En vrai c'est stylé mais attends deux secondes. Soutenu par Sky vocalement. On est content mais on va attendre. Un joueur expérimenté, un Sky qui a déjà fait beaucoup de choses, qui a plus rien à prouver, qu'il est en train justement de donner un peu plus d'éléments pour que Blacky aussi prenne de la confiance en lui. Effectivement il y a une nouvelle génération de joueurs qu'il faut pas ignorer, qui va devoir prendre aussi ses responsabilités lors des grosses compétitions internationaux. Et pour l'instant ils essayent de prendre de l'XP, de briller lors de World Cup aussi serré. Chaque game, chaque action, chaque duel est tellement dur. Et là, Blacky, avec le sang-froid, il stressait, il l'a dit. Hein. Il a dit, mais même moi, là, je tremble et tout, pour vous montrer que même des joueurs surentraînés ne peuvent pas résister à ce genre de situation. C'est... En plus, avec le classement qu'on avait, tu peux pas, c'est trop serré, il y a trop de trucs. On n'est pas sûr que techniquement, ça suffise. On n'est pas sûr que mathématiquement, ça suffise. Maintenant, comme il a dit, il va falloir attendre le classement. Il y avait beaucoup d'équipes, j'ai pas trop compris qui est-ce qui restait en vie concrètement à la fin dans quel duo, là c'était beaucoup trop compliqué. Sundeli et Floki, il faut savoir qu'ils étaient quatrième hein, quand même avant ce moment-là, que Skyte et Blacky étaient troisième, après on n'a pas le nombre de kills totaux de tout le monde, donc c'est difficile parce que je rappelle que c'est un point par kill comme vous pouvez le voir ici. Donc oui, Blacky il a pris les 10 points de placement, mais derrière Floki et Sundeli ont pris les 7 points, donc attention, on a aussi d'autres équipes qui ont fait d'autres choses, c'est très compliqué. Je rappelle c'est 25 000 $ pour les deux gagnants. À se partager, c'est une énorme somme, mais au-delà de ça, c'est surtout d'être sur le toit, sur le trône, voilà, le trône francophone de Fortnite. Et ça, ça a un impact, parce que je vous le dis, honnêtement, même si on a des gros joueurs français qui ont bien performé sur la FNCS, c'est pas la même compète. C'est vraiment pas la même compète, c'est tellement différent. Allez en parler aux joueurs, allez leur demander, ils vont vous expliquer. C'est pas pareil. Quand tu as tous les joueurs que tu connais, tout est millimétré, tout est. Et puis en même temps, ils savent très bien qu'il y a une énorme audience qui les suit, ils savent très bien que moi, je suis assez habile au niveau du mode ops, donc je vais suivre un peu tout le monde. Donc ils se disent, s'il y a moyen
moyen, c'est là qu'il faut briller. C'est pas les mêmes compètes. Vous étiez 100, plus de 63 000, je crois, sur cette fin de Dwight Cup. On attend le classement. On attend tous le classement. Il y a plus de suspense, il y a plus rien. Plus personne ne peut améliorer son score. C'est fini. Tout le monde a fait ce qu'il avait à faire. GG à tous les joueurs. J'en profite et je propose aussi ne plus de GG pour l'instant pour tous les joueurs parce que déjà arriver à se qualifier pour la finale était dur. En même temps, je trouve qu'ils ont tous eu un comportement exemplaire. Je suis très très fier de cette scène-là et que j'espère encore voir grandir, prendre en maturité à chaque fois. Alors que voilà, je suis personne pour eux, mais à chaque fois qu'ils font des petites conneries, ça me fait chier parce que nous, on essaie de leur donner justement les armes pour préparer leur demain, leur après-demain. Et quand je les vois au contraire avoir cette attitude-là, voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Ils me réjouissent justement et me donnent envie d'en faire encore plus pour cette communauté-là. Donc voilà, plus de GG, ça c'est pour tous les joueurs qualifiés pour cette grande finale et pour tout le travail que vous avez fait jusque-là et pour tout ce que vous avez justement donné ce soir. Bon résultat ou pas bon résultat, ça c'est un détail, on va dire, mais vous avez été au top. Vous avez été clairement au top. On attend le classement. Mais Blacky, là, dans tous les cas, il a fait le top move de la soirée. Hein. Rien à dire. Entre le fait, parce que Sky était mort quand même assez tôt dans ses dernières games. Après, comme il a dit, Blacky, il a rien fait de la soirée. Donc Sky a dû être un élément très important pour permettre déjà la duo de se positionner dans le haut du classement. Et voilà, et on s'en fout. Il a fait le move qu'il fallait au moment qu'il fallait, tu vois. Donc il a raison. Et en plus, déjà soutenu par un Sky qui lui donne de la confiance, qui lui dit les mots qu'il a besoin d'entendre à ce moment-là. Parce qu'il sait, Sky, il a été lui beaucoup dans cette situation-là. Donc il sait ce qu'il attend du coéquipier. Et voilà, donner un peu de communication intéressante, un peu de confiance. Parce que bah, forcément, il sait que le mec tremble, il faut qu'il l'oublie. La situation, il faut qu'il... C'est trop difficile, hein. C'est facile à dire pour nous, aux spectateurs. Pour eux, mettez-vous à leur place, les gars. Là, son action, elle vaut 25 000 dollars, les frères. Donc à voir, ça suffit. J'ai pas envie de mettre trop de focus sur eux. Si surtout, ils gagnent pas derrière, ça pourrait être terrible. Donc on attend. En plus, il faut rappeler historiquement, Sky et Blacky jouent ensemble depuis très peu. Ils ont eu juste tout le temps de faire leur marque sur la dernière qualification. Puis là, en un rien de temps, vous voyez comme ça va vite sur Fortnite. En un rien de temps, si tu trouves les bons points communs entre les bonnes personnes, bah ça a été pareil avec Andilex et Nate, tu vois, quand ils ont fait l'FNCS. Je pense que c'est un format qui leur correspond aussi beaucoup plus. Là, vous l'avez vu, ils ont été capables de nous faire une game monstrueuse en Dwight Cup, alors que faire 10 kills avant le late game, je pense qu'on peut le compter sur les doigts d'une main, ceux qui ont réussi à faire ça. Surtout lors d'une finale, on parle pas de qualification. Donc, non, il se passe beaucoup de choses. Il y a tellement d'infos qu'on n'arrive pas à calculer les stats, là. Il y a tellement d'infos qu'il nous faut du temps. On va vérifier, on va revérifier. Et effectivement, il y aura des gens qui vont être déçus parce qu'ils ont contre-perf. Tu auras des gens au contraire qui s'attendaient pas à être aussi haut dans le classement, qui vont être quand même très fiers d'eux. Mais ce qui compte, c'est aussi ça qui est dur avec la Dwight Cup. C'est ce qui compte, c'est uniquement la première place. C'est-à-dire que t'as deux mecs qui vont être contents pour tout le monde qui va être en mode putain, on aurait pu faire mieux. Parce que même quand t'es deuxième, tu peux être content d'être deuxième et tu te dis putain, on était pas loin de la première place. Du coup, ça fout le seum quand même. Donc en fait, tout le monde a le seum. Mais c'est normal, c'est des compétiteurs. Et du coup, ça va leur permettre de se relever le lendemain, avoir cette envie de retourner à l'entraînement. Et comme ça, la prochaine Dwight Cup, elle sera pour eux, tu vois. C'est le but de les stimuler en leur disant, les gars, il y a que. Parce que quand on est en World Cup, on s'en fout du top 5, du top 6, du top 7. Hein. C'est mignon, il y a des beaux cash prize. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils nous ramènent le trophée. Hein. C'est vraiment ça. Donc le but, c'est de les préparer au mieux, si vous l'avez compris. Allez, Dogby, on veut le classement. Je le veux aussi. Je le veux aussi. On est en attente, justement, des calculs. Mais je suis content de ce qu'on a réussi à faire avec mes équipes. On est très, très fiers des qualifications, de la finale, de tout comment ça s'est organisé. C'était assez carré. Il y a toujours. Moi, je suis perfectionniste, donc je vois toujours les petits défauts à améliorer. Mais en vrai, si tu regardes au global, je pense qu'on est tous très contents de comment tout ça se déroule. Ok, mesdames et messieurs, je crois que c'est bon pour le classement. On fait un décompte ensemble. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les gagnants de la Dwight Cup sont Blacky et Skyte avec 55 points grâce à cette dernière action de Blacky qui leur permet de prendre le top 1. 2 points supplémentaires sur les kills. C'est ce qui fait la différence face à Floki et Sundaily qui terminent deuxième avec 51 points. Le même average place qui permettait de déterminer en cas d'égalité. Donc pas besoin de le prendre en compte parce qu'il n'y a pas d'égalité sur la première place. Victoire de Blacky et de Skyte que vous voyez en dessous. Deux joueurs qui reviennent de loin, surtout Skyte hein, qui a eu quand même pas mal de déboire lors de cette saison en duo qui lui là a réussi à trouver le bon mate pour repartir à zéro, pour refaire tout le travail et surtout venir se qualifier sur la troisième semaine et ensuite en la gagnant d'ailleurs alors que voilà il avait eu une semaine 2 très difficile avec Bad Sniper, donc il revient troisième semaine, il se qualifie avec Blacky, il lui donne l'expérience et la confiance qu'il lui faut pour au final la gagner une semaine après. Rendez-vous compte comme ça va vite sur Fortnite. Stacy, Wizip qui ont fait un super parcours, troisième position. Alpha, Blaster qui ont été premiers quasiment toute la soirée, malheureusement bah il leur manque un petit truc, hein, quatrième position, mais ça reste un super parcours.
parcours. Yoda et Hulk, on a beaucoup suivi. Pareil, 5ème position, 43 points, beau parcours. Deshiptos, Noka, 6ème. Maizen, Albrecht, 7ème avec 39 points. 36 points pour Andilex et Nate qui sont revenus très très loin avec une dernière game qui a failli nous faire rêver. Nikoff et Airwax, quand même, ont fait une très belle performance. Cette Dwarf Cup termine à la 9ème position. KZR, Robab, 10ème. Et je vous laisse tranquillement observer la fin du classement. On va descendre, on va remonter. Mais nos vainqueurs sont connus. Blacky et Skite remportent la Dwarf Cup en duo. C'est fait. Ça ne peut plus être changé. Les premières actions, ça y est, se font directement entendre sur le hashtag Dwarf Cup. GG pour les deux joueurs avec le hashtag Dwarf Cup. Effectivement, GG pour les 25 000 dollars, hein, bien évidemment, parce que c'est Epic Games qui le fournit. Et merci d'ailleurs à Epic Games de fournir le cash prize parce qu'on on fournit tout le reste. Hein, donc, au moins, le cash prize, il nous aide là-dessus. Ça fait très plaisir. Donc, merci Epic Games. Donc, c'est pour ça que c'est en dollars, hein, pour ceux qui se demandaient. Donc, 12 500 dollars chacun, effectivement. Ils vont recevoir ça très, très vite. Vous les avez mérités. Vous êtes monstrueux. Bah, même pour leur histoire, je trouve que c'est un bel exemple pour justement tout le monde se dire mais en fait en 2 secondes si j'ai le niveau je peux revenir au top quoi. Tu peux descendre très vite dans Fortnite, tu peux revenir au top très vite et ça prouve encore une fois l'expérience de Sky d'arriver toujours à trouver ce qui manque pour remonter, pour remonter. Ce mec est invincible. Je pense que dans 10 piges on entendra encore parler de lui. GG à Sky et Blacky, hashtag Dwarf Cup, ils nous ont fait rêver, hein. On les avait très peu focus sur la soirée pour être honnête, mais on les a sentis monter en puissance. Ils ont leur victoire et on va partir en vocal direct avec eux parce que ils sont nos gagnants. Skite et Blacky, la tradition le veut, vous avez la parole. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, une montée en puissance, on va dire. C'est fou, hein. Alors que, bah, est-ce que rapidement, Skite ou Blacky, rappelez comment, voilà, votre parcours, parce que vous avez un parcours atypique par rapport à d'autres duos, parce qu'on arrive sur la fin de la saison duo, je rappelle, hein. C'est fini quasiment, et pourtant, il restait des compétitions. Skite, je te laisse la parole. En gros, j'ai split avec Vato, et je cherchais les duos, donc j'ai testé Bad, j'ai testé. Je crois que c'est tout. J'ai testé Bad. Et ensuite, Blacky m'avait proposé il n'y a pas si longtemps, avant Bad, et j'avais dit que je voulais bien tester avec lui. Au final, je me suis rendu compte que en fight, je serais beaucoup plus confiant parce que, comme je l'avais dit, Blacky m'explose en BF, en boxfight et tout. Du coup, tu reconnaissais ses talents individuels, voilà, quoi. Et il est vraiment fort en fight. Et du coup, on a fait train, on a fait les cash cup, on a fait les tournois, on s'est qualifié à la Dwarf Cup, on a fini premier. Oui. Ça a mis un peu en confiance quand même. C'est vrai. On va pas dire qu'on a travaillé, mais on a beaucoup parlé de ce qu'on devait faire, notre spawn. On s'est dit toutes nos erreurs et tout. Et ce soir, on a bien joué, quoi. On a joué ensemble et après. Voilà quoi, il a clutch la dernière game parce que... Ouais, mais on l'a entendu, tu vois, on a entendu sur ce moment où toi tu fêtais un peu et t'avais été très intéressant au niveau vocal pour apporter ce qu'il lui fallait entre la confiance, les infos, t'arrivais à faire un bon équilibre, je trouve. Mais même lui, il a dit, putain, j'ai rien fait de la soirée et au moins je fais ce move là. Donc ça prouve que c'est un travail d'équipe, en gros, qui a été fourni ce soir. Enfin, pour lui, il a rien fait parce qu'en gros, j'ai clutch 3 games à moi, tu vois, et j'ai fait beaucoup de kills et tout. Et lui, il avait l'impression de rien faire alors que il m'amenait quand même en late game, même s'il mourait avant. Ouais, bien sûr, c'est ça, faut pas. Il a quand même fait des choses. Bon, ok, j'ai clutch beaucoup de games, mais au final, on gagne grâce à lui, tu vois. Et vous l'avez prouvé, la Dwarf Cup, c'est sur 6 games. Alors que, tu vois, on vous voyait très peu, on va dire, dans les 3 premières games, même si on a vu que vous preniez vos points, on a dit, ah putain, ils seront là. Mais d'un coup, on vous a senti monter en puissance, comme a dit Blacky. Comment t'expliques cette montée en puissance, Blacky? C'est quoi? C'est le fait que vous avez pris de la confiance ou au contraire, vous avez pris assez d'infos pour améliorer votre stratégie? Comment vous êtes monté en puissance, Blacky? Comment t'expliquerais ça, là, à chaud? En vrai de vrai, je sais pas vraiment, pour être honnête. Ouais. Il faut analyser quoi, il faut le prendre du temps. Ouais, en fait les premières games on les a toutes pas forcément super bien jouées, genre souvent je mourais trop tôt ou on se suivait un peu mal, on se perdait un peu en fin de zone, tu vois. Kuskett se retrouvait souvent seul. Et sur la last, on a réussi à tenir plus longtemps, tu vois. Et j'étais... En gros, quand Skite meurt, je crois qu'il prend un 200-0 par un... Manette. N'importe. Par un gros laser, voilà. Par un adversaire. Oui, voilà, exactement. Et du coup, j'étais dans des bonnes conditions pour clutch. Bon, après, c'était... Je pense que j'ai eu un peu de réussite quand même sur la reprise de hauteur et tout, mais... Je sais pas, tu vas chercher tes maths, franchement, mec, tu te laisses pas avoir par la situation, alors que tu l'as dit, à un moment, je tremble et tout. Enfin, c'est rare, ce genre de moment, même, on est d'accord, même si tu fais beaucoup de compètes, le moment où tu stresses, on est d'accord que ça devient de plus en plus rare, c'est aussi l'expérience qui parle. Pourquoi stresser à ce moment-là? Pourquoi le stress, là, il a fait son apparition? Parce que le stress, en fait, j'ai reconnu les skins des mecs en bas, et je savais que c'était Flucky et Sendely. En 1v2, tu t'es dit, c'est chaud. Je me suis dit, déjà, ils sont bons, tu vois, je les connais, tu vois, je les aimais et tout. Et surtout, je me suis dit, si je les tue, j'ai win. Si je perds, je sais pas, tu vois. Parce que tu te rappelais au classement, c'est ça? Ouais, évidemment. D'ailleurs, en plein milieu de la game, on tue les premiers, je crois. On tue Snazy et Wizip pendant la rota, en fait. En gros,
On atterrit sur un truc en pierre et Blacky tombe dans son box et on le tue ensemble, genre. Ah, mais ça, ouais, je vous dis que c'est important. En fait, le classement, ils le regardent, ils adaptent leur stratégie forcément. Donc, c'est vrai que ça te soulage. Tu les promets, t'es en mode ok, on va peut-être pouvoir le faire. Et en plus, à la fin, tu vois que t'es en 1v2 face au deuxième. Tu sais très bien que si tu leur donnes la win, t'as perdu quoi. Donc, en fait, t'avais pas le choix. Ouais, je comprends le stress. Au fur et à mesure de la game, en fait, le fait qu'on les tue, qu'on tue Wizip, ça nous a hype de fou, tu vois. Ouais, je comprends. Et d'ailleurs, Skate meurt. Bon, mais après, il a su trouver les bonnes paroles, tu vois, pour me hype et voilà quoi. Pour info, l'anecdote, juste avant la game, donc la game 6, je lui dis écoute Blacky, je te dis cette game, on va crier ton nom dans le chat. Je te le dis, c'est tout. Je te le dis. Ouais, mais je pense pas qu'il y a 40 duos qui ont dit la même chose. Mais je lui ai dit, ça va crier ton nom. Non, ça c'est va crier vrai, ton tu l'as nom, senti. Mais t'as toujours ce petit feeling, ce petit ressenti, Sky, c'est inexplicable. Donc fais-toi confiance. Hein, et la preuve, hein, Blacky, faut se faire confiance. Parce que là, ça a marqué. Et d'ailleurs, Blacky, on parlait beaucoup du parcours de Sky, mais je crois aussi, toi aussi, ça a été un peu tumultueux. Tu permets le terme, parce que je crois que t'étais avec Keolis aussi avant, non? Ouais, ouais. Donc pareil, c'est en fait, toi aussi, tu t'es perdu en duo, enfin... Ouais, ouais. Donc, qu'est-ce que t'as reconnu avec Sky qui te manquait peut-être, avec d'autres, qui permet peut-être aujourd'hui d'être comme ça, on va dire, sur le toit du monde francophone, on va dire. Qu'est-ce que tu retrouves avec Sky? Ouais, okay. Ouais, l'expérience de Sky, clairement. C'est comme si tu jouais avec, disons, un ancien... Je sais pas comment dire. Un mec qui est là depuis genre trop longtemps, tu vois, et qui connaît le jeu par cœur d'un certain aspect et que moi je le connais pas, tu vois. Ouais, genre il te refait découvrir le jeu un petit peu, quoi. En tout cas, une autre manière de jouer, quoi. C'est ça, en fait. Moi, j'ai souvent joué de mon skill individuel, tu vois, plus que sur mon cerveau, surtout en solo et en duo, etc., tu vois. Tandis que là, comment dire, je joue beaucoup plus sur le main, sur le... La strat, ouais, quoi. Sur la strat, quoi, ouais, c'est ça. Sur le main game, etc. C'est sa spécialité, hein, Skyte. Hein. Il l'a toujours... Enfin, il l'a jamais caché. Hein. Il avait activé le cerveau avant les autres. Et le problème, c'est qu'après, les autres l'ont activé aussi, quoi. Donc, tu te fais rattraper, forcément. Donc, non, franchement, c'est propre. Et Skyte, comment t'expliques ton attitude des fois, on te perd de vue. Des fois, tu remontes. En fait, toi, c'est soit t'es premier, soit on t'oublie. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'as pas l'entre-deux. C'est soit tu cartonnes tout. Comment t'expliques ça? Et comment t'expliques qu'à chaque fois, t'arrives au final à tout cartonner? Est-ce que tu le comprends toi-même? En vrai, là, j'ai eu un peu une baisse de... Motive? Enfin, je sais pas une baisse de niveau, mais une baisse de motivation avec Vato. En fait, genre, on avait plus l'envie de jouer tous les deux. Enfin, pas forcément ensemble ou qu'on est plus potes ou quoi. Je m'entends super bien avec Vato et je le kiffe toujours, mais... Je sais pas, en fait, je pense que lui et moi, on avait besoin de nouveau, en fait. Ouais, je comprends. T'as toujours besoin de nouveau, en fait, au bout d'un moment. Et même si j'ai fait un super beau parcours avec Vato et qu'on aurait pu encore aller très loin, genre, pour pouvoir rejouer au jeu dans les compétitions, je pense que je devais, ouais, trouver quelque chose de nouveau, en fait. Et bah, en fait, le fait de jouer avec une autre personne, tu le découvres, tu t'établis des nouvelles stratégies, t'établis plein de choses, en fait, et bah ça donne l'envie de jouer de ouf. Bah, j'ai l'impression, en tout cas, ça t'a bien remotivé. On revoit à nous rapidement là, l'action de Blacky où là il descend récupérer les petits mats. Il y a pas énormément, mais ça lui permet justement de reprendre un peu plus de confiance dans son action. Le bazooka aussi qui t'a été très utile parce qu'il y a une roquette qui touche, il y en a même deux qui touchent à la fin. Le fait qu'ils ont plus de construits, qu'ils sont enfermés dans leur petite. Mais tout ça pour toi va très vite. Tout ça, c'est des automatismes. Vous avez plus limite le temps de comprendre tout ça. C'est instinctif, non, ce genre d'action, Blacky, non? Ouais, ouais, quand en vrai, c'est sur le moment présent, en fait, vu qu'on passe un peu notre vie sur le jeu, tu vois, arrivé sur le moment présent, bah forcément, tu essayes de... Tu maximises tes chances de bien finir le scénario, et là, en vrai, de vrai, la zone, pas t'aide un peu, mais cette colline... Elle était favorable, ouais, clairement. Cette colline... Mais c'est ce qu'on dit, hein. Sur cette game-là, elle a été favorable, mais si on regarde toutes les autres games, tu vois ce que je veux dire, elle a pas tout le temps été favorable, donc c'est ça aussi qui est important, c'est savoir profiter quand les éléments sont en ta faveur, et savoir... tanker, tenir, marquer quand même des points quand les éléments sont en ta défaveur, que ce soit par le stuff, par les HP, par le fait que justement tu te fasses tuer pendant la rota, par rapport à la zone qui te troll, enfin, et c'est ça qui fait qu'au final t'es au-dessus du lot. Et vous l'avez montré ce soir, les gars, vous êtes au-dessus du lot pour cette forme en duo. Malheureusement, j'ai l'impression que la duo va se mettre de côté, c'est triste pour vous. Mais j'imagine que vous êtes prêts à vous remettre ensemble dès que des tournois duo se réorganisent, non? Ouais, bien sûr, moi je suis... De ouf. Bah bravo, 25 000$ à se partager, je pense que ça régale aussi, hein, ça va vous mettre plutôt bien. On peut rappeler... Bah Skype, je sais pas, mais moi ouais. Skype, à défaut de Blacky qui a fait top 2 à la Duck Cup d'avant, au moins maintenant il gagne des sous, quoi. Ouais, c'est vrai, la Duck Cup c'est terrible, hein, on le dit toujours, soit tu es premier, soit on t'oublie, mais c'est parce qu'on cherche l'excellence. Et un petit mot peut-être pour les autres joueurs, comment vous avez ressenti le niveau de cette soirée-là par rapport peut-être à d'autres compètes que vous avez fait, FNCS ou autre, qu'est-ce que vous diriez sur le niveau de cette Duck Cup? Ça se voyait que c'était le top FR en tout cas, parce que c'était pas forcément le top EU, parce qu'on n'a pas tous les meilleurs joueurs du monde,
Mais le jungle, moi j'ai joué comme des FNCS et pour moi genre c'était comme des FNCS quoi. En fait le truc avec les FNCS, j'explique au chat et je veux bien votre avis là-dessus. Là en gros vous savez toutes les équipes qui sont dans vos games, alors que les FNCS tu lances, c'est pas y'a. C'est ça. Donc il y a ça aussi qui fait qu'à mon avis elles sont plus organisées, plus stratégiques, où là on voit même des guerres de staff en fait, les staffs qui donnent des infos et tout, parce que bah tu sais ce qui se passe dans ta game parce que c'est toujours les mêmes mecs avec toi. Et je trouve que ça donne encore plus de, je sais pas, de sérieux au game que quand tu lances un game FNCS et que tu tombes dans n'importe quel lobby et très vite tu remarques un peu Yaki, parce que plus tu montes, plus j'imagine que les mecs sont dans les mêmes lobbies. Mais j'ai l'impression que c'est pas le même. Enfin, est-ce que c'est le même jeu ou je me trompe? Enfin, c'est pas le même jeu pour moi, mais. Quand il n'y a pas les mêmes lobbies? Ouais, quand, en fait, quand non, t'as les mêmes lobbies et quand t'as pas les mêmes lobbies, quoi. C'est totalement différent. Ouais. C'est totalement différent. Tu peux tomber sur un mec qui va spawn sur toi, ouais. Et la game d'après, il y aura rien, quoi. C'est ça. Donc... genre, c'est. En fait, c'est totalement aléatoire quand il n'y a pas des lobbies pareils, quoi. Alors qu'un lobby tout le temps fixe, ben, t'as tes automatismes, tes routes qui sont faites, tout est fait, quoi. Je suis totalement d'accord. C'est ce que j'essaie de mettre en avant et ça me rassure que vous le preniez comme ça aussi. Moi je préfère ce format là perso, hein. comme ça bah y a une guerre comme je dis stratégique, en mode ouais mais eux ils spawnent là, ouais mais là faut qu'on change nos spawns parce que il peut se passer ci, il peut se passer ça, ça apporte des choses en plus, alors qu'en vrai en FNCS bah tu répètes ta mécanique quoi, elle passe tant mieux, elle passe pas tu relances, enfin j'ai l'impression que c'est ça. Après je suis peut-être pas assez, mais en tout cas on y sera sur FNCS. Parlons du futur FSN solo, vous êtes concerné, pas concerné, comment ça se passe? Concerné. Ouais clairement. Vous les faites là ce week-end? Ouais. Samedi, dimanche, moi je serai là aussi pour vous soutenir. Hein. On va soutenir toute la communauté francophone. Qui est pour vous le mieux armé pour ces FNCS solo? Angilex. Angilex, ouais. Kha'Zix aussi en ce moment. Kha'Zix, ouais aussi, ouais. Kha'Zix, incroyablement fort. Hein. Ouais, c'est les pseudos qui reviennent le plus, je suis assez d'accord. Je vous demande aussi sur le chat, sur le hashtag Dwakup, profitez-en. Et Nate aussi, enfin beaucoup de gens en vrai. Mais c'est ce. Oh là! C'est l'émotion, mec, c'est normal. On retient, ouais. Non, mais t'as raison, et je pense qu'il y a maintenant vos deux pseudos qui vont s'ajouter au lot, hein, parce que vous avez pris aussi beaucoup de confiance ce soir. Donc hâte de voir si en solo ça se passe aussi bien les gars. En tout cas on sera là pour suivre ça et on vous souhaite tous bonne chance j'imagine. Je vous libère. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter un petit merci peu et GG à vous, merci profitez. Hein. Allez les suivre sur Twitter les potos, allez leur dire GG. Ouais, Blacky a des follow vraiment. Ouais là go le faire monter là en follow. Je veux 50 000 ce soir. Il a combien là? Il a combien? Il a 19 000 je crois. Ah, 19... mais franchement il y a moyen. Allez, les gars allez le follow. Oui, on est très nombreux ce soir. Vous avez été plus de 60 000 à nous suivre en moyenne. Il est à 19 000 follow. Je le vois, je l'affiche sur mon écran. Faites-moi monter cette barre là. Il le mérite. Il vient de faire. Au moins les 20 000 quoi. Les 20 000, je pense que vas-y, en un claquement de doigts. Là, je fais F5, il y a 20 000 ou pas le chat? J'attends 5 secondes quand même. Comme ça, on pourra dire les 20 000 c'était grâce à moi alors que j'ai rien fait. Je suis arrivé sur la fin. Il y a 19 700. F5. 20 000, putain, yeah. Putain, j'aurais eu trop peur, il y avait marqué 19,9. Oh, 20 000 yes. Quoi, déjà? Ouais, déjà, ça va vite. Mais, et là, je suis sûr que, mec, là, j'attends, mec, tu veux la preuve de mon pouvoir, Blacky? J'attends 40 secondes. Bah non, hein. J'attends 40 secondes, je fais F5 à 21. T'es prêt? Arrête, tu me casses. Même moi, tu viens de gagner mon follow. Ouais, du coup, tu vas casser ce week-end, ouais, c'est ce week-end, ça? Ouais, ce week-end, ouais. Samedi, dimanche, FNCS solo. Okay. Ça va être ici qu'il va falloir le suivre. C'est bon, c'est bon, t'inquiète. Oh, bah, ouais, F5, ouais. Parce que là, c'est bon. Ah, bah, on a 21. Ouais. Ça marche à chaque fois, c'est fou, hein. Ça marche à chaque fois. Alors, Blacky, tu mérites, hein. Blague à part, tu mérites. Et hâte de voir un peu comment vous allez grandir tous les deux. Parce que, bah, je pense que c'est que le début de votre carrière. Hein. Je dis ça à chaque fois. Bah, Skype, il doit en avoir marre de l'entendre. Mais au moins, tu te rends compte que c'est vrai. À chaque fois, tout est remis à zéro. Tu vois ce que je veux dire? C'est terrible, ce milieu. C'est terrible. Mais. C'est dur d'être joueur pro, et au moins quand vous l'êtes et que vous gagnez, bah, j'espère que la communauté vous le rend. En tout cas, j'espère ça. Je vous fais des bisous, les potos. Je vous libère réellement cette fois-ci et je vous dis à très bientôt. À ce week-end, du coup. À plus, bisous. Yep. Bisous, les copains. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Et ils l'ont fait, ils l'ont emporté. Cette Dwa Cup est à eux, mesdames et messieurs. Alors qu'on me dit qu'il est passé à 22K, ça y est, vous ne vous arrêtez plus. Cette Dwa Cup est à eux, c'est gagné. Blacky et Skyte sont nos grands champions. Un duo inattendu. Ils sont qualifiés sur la 3ème qualif. Après, pour leur défense, ils n'ont jamais joué ensemble avant la 3ème qualif. Donc en même temps, ils se sont qualifiés pour la seule qualif qu'ils ont joué ensemble. Donc ça nous permettait juste de voir à peu près ce qu'ils étaient capables de faire. En même temps, ils l'ont gagné. Et derrière, en plus, ils confirment avec la victoire lors de la finale, là où on avait ramené tous les meilleurs de chaque qualif. Donc honnêtement, gros GG à eux, franchement. Ça fait extrêmement plaisir de les voir performer à ce point là. On va se libérer là dessus ça a été une longue et belle soirée, j'espère que vous avez vraiment kiffé la suivre en ma compagnie. Et encore une fois un gros GG aux joueurs, un gros GG à mon staff qui a été incroyable, que ce soit sur les phases qualificatives ou cette soirée de grande finale où on a essayé, je pense vous l'avez senti, hein, une amélioration, fluidité en termes de tout, voilà, parce qu'on était de mieux en mieux préparé pour ça. Nous on est prêt à s'organiser pour la prochaine Dwa Cup, mais comme j'ai dit il va falloir attendre plus d'informations sur le prochain format après les FNCS solo. Donc restez à l'affût, checkez les réseaux sociaux. En attendant, il y a plein d'autres events, il y a plein d'autres choses de prévues, mais ça, on aura toute l'occasion d'en reparler. Merci à tout le monde sur le chat. Là, je vois, il y a une pluie de cœur qui a déjà démarré. Merci à vous, c'est un vrai plaisir de suer pour justement vous proposer ce genre de choses quand je vois comment vous me le rendez.
On se dit à très bientôt, on se fait des gros bisous, bonne fin de soirée à tout le monde, ne bougez pas, ne changez pas, je place une dernière fois le teaser parce que bah forcément, il est beau, et on se retrouve pour une prochaine aventure, à demain justement pour un nouveau live, ciao.